imperious desire. Then, dash. Then, suspicion. Jealousy, anger, betrayal. Where love is for the highest bidder, there can be no trust. Without trust, there is no love! Jealousy! Yes, jealousy! Will drive you mad! Roxanne! You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight, Roxanne. You don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Oh, Roxanne, there's my heart cry. Roxanne, feelings I can't fight. You're free to leave me, but just don't deceive. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Oui. Ta mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir, bienvenue dans The Cinéma Show. La scène de la semaine, c'était Moulin Rouge de Baz Luhrmann, film qui a fait la clôture du Festival de Cannes il y a 19 ans, presque jour pour jour. Un moment pour se rappeler un peu la clôture du festival qui n'aura pas lieu, puisque le festival n'a pas eu lieu. Mais pour notre émission du jour, nous avons une équipe de légendes sur place. Adrien, nommé par le magazine Diagonale meilleur donc stagiaire 2 années de suite, hein, quand même, c'est un record. Voilà, c'est quand même incroyable. Et Marie Pistolet, qui est aussi nommée peut-être meilleure fan de Benedict Cumberbatch de l'année depuis 5 ans. Ensemble, donc, nous reviendrons sur 4 longs métrages sortis en VOD ces dernières semaines, voire mois pour certains films. Alors, en premier, ce sera Pinocchio de Matteo Garrone, ensuite Forte de Katia Zlekowicz, Emma de Autumn the Wild, The Hunt de Craig Zobel pour terminer. Et on aura aussi le quiz de Marie, cette fois-ci toute seule. Mais avant tout ça, on débute par les news de la semaine. Jingle. And now, Buffalo's number one news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Au programme réouverture des cinémas en perspective, J'aide mon cinéma et l'Utopia peut-être, Venise, le seul festival de l'après, Michael Bay et Soderbergh productifs en confinement. Alors le projet, donc J'aide mon cinéma, c'est un site lancé par un collectif donc qui se définit comme étudiant, jeune professionnel du cinéma et ami. Donc avec beaucoup de personnes dont on taira le nom, puisque je ne sais rien du tout, mais en tout cas, ils se présentent comme ça sur le site. Alors c'est pour soutenir les salles pendant cette période compliquée.
une initiative d'ampleur nationale qui réunit de nombreuses salles donc de France. Le site Gêne Mon Cinéma est lié à un autre site qui est un site de cinéma virtuel qui s'appelle 25ème heure. Donc ça permet d'acheter une place à 5€ et de regarder le film à une horaire bien précise, un peu comme donc on irait au cinéma. Dans l'Hérault, il y a 6 salles donc qui participent au projet. À Béziers, il y a la salle Mon Ciné. À Agde, c'est Le Travelling. À Sète, Le Comédia. L'Utopia, c'est à Montpellier. Le Jean-Claude Carrière à Bédarieux et le Ciné Mistral à Frontignan, seulement 6 cinémas et pas le Diagonal. Travelling et Comédia, qui sont deux cinémas que j'aime beaucoup. Des gens que j'ai rencontrés qui travaillent là-dedans, qui sont vraiment très sympas. Surtout le Comédia à Sète, un monsieur très charmant. Donc je les salue. Et en tout cas, qu'est-ce que tu penses? Parce que toi, je sais que du coup, t'es assez proche donc des exploitants comme Théo Diagonal depuis 2 ans. Moi, ce genre de... Enfin, voilà, je trouve ça très bien d'avoir des initiatives comme ça, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de contraintes par comparé à ce qu'aujourd'hui, une plateforme comme Netflix, où tu lances ton film à l'heure où tu veux, quand tu veux, sans horaire. Enfin, je sais pas, il y a une idée de recréer une expérience numériquement. Alors, je demande à voir, en fait, tout simplement. Bah, l'expérience, tu peux pas l'avoir. Hein. En plus, je trouve que les choix des films, là, j'ai fait le test en me mettant dans l'Hérault. Ah, d'accord. Oui. Il y a seulement, tu vois, deux films qui m'intéressaient. Il y avait Jeune Juliette. Alors que si tu te mets sur le National, t'avais tous les films, en tout cas, qui étaient dans les salles avant que ça ferme. Mais c'est vrai que c'est un peu triste parce que tu dis mais je vais juste payer le film en fait. Mais c'est vrai que c'est des films dont tu aurais pas forcément accès par un autre moyen vu oui. que... Oui, oui, alors moi, il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, je sais pas si c'est lié à ça, mais il y a Edgar Wright qui a relancé son Scott Pilgrim, si ça fait partie du truc. Effectivement. Pourquoi pas quoi. Effectivement. Et donc il a annoncé, je voulais pas en parler, il a annoncé aussi que Quentin Tarantino aurait donc relié le scénario d'ailleurs, et du coup... C'était assez drôle du coup qu'il en parle comme ça. Mm-hmm. Marie fait une moue assez particulière parce que c'est une question du quiz apparemment. Je ne savais pas. Mais voilà, en tout cas. Non, je ne savais pas. Mais forcément, s'il y a une news sur Scott Pilgrim, j'ai regardé. Donc, c'est vrai. On continue donc avec les prochaines actualités. On parlait donc de fermeture, donc passé et présent. La réouverture donc s'annonce pour bientôt ou presque. En tout cas, Franck Riester, donc ministre de la Culture, a déclaré envisager la réouverture des salles de cinéma pour début juillet, avant d'ajouter néanmoins, il est trop tôt pour décider si la réouverture sera possible. Donc il y aurait aussi une distinction forcément entre zone rouge et zone verte. Donc voilà, on est en attente, mais voilà, début juillet, c'est ce qui serait le mieux apparemment. Donc en juin, c'est pas possible d'après ce qu'il dit, et donc comme c'est le ministre, on doit le croire forcément. Un peu de tristesse évidemment. Mais du coup, il y a plein de films en juillet qui étaient peut-être annoncés pour relancer le cinéma. Je sais pas si juillet, début juillet, ça veut dire quelque chose, parce que tu vois le Nolan, c'est courant juillet, je crois. Ouais, bon, et en plus, on sait très bien que l'été, le cinéma, c'est un peu mort, quoi. Donc en général, ça tourne bien, mais avec des blockbusters. Quoi. C'est donc, l'été, c'est l'été des blockbusters. Quoi. C'est vrai. Voilà. En tout cas, bon, les festivals s'annulent forcément peu à peu. Dernièrement, Locarno et Angoulême, donc, qui ont rangé le tapis rouge. Ils essaient néanmoins de revivre. Locarno, ils ont annoncé qu'ils dévoilaient en ligne la compète des courts-métrages. Mais dans tout ça, donc, Luca Zaia, donc, le gouverneur de la Vénétie, a déclaré que le festival de Venise, donc, prévu du 2 au 12 septembre, aura bel et bien lieu. Donc, une édition, peut-être particulière, où le festival de Cannes aura le droit, donc, à un hors les murs. Et certainement des équipes et des journalistes étrangers donc qui seront pas forcément en Italie, donc là aussi ça va être peut-être particulier sur comment le festival va être couvert et comment les stars vont s'y rendre, parce qu'en général bon c'est un festival qui lance un peu les films qui seront aux Oscars, donc il y a toujours le Ryan Gosling pour le La La Land ou quoi, tu vois, donc c'est vrai que là pour le coup ça va pas se faire, mais bon ce sera quand même le grand festival de l'année avec Berlin qui était en tout début d'année, mais voilà, donc on a hâte. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses, est-ce que tu as confiance ou pas? Parce que moi, j'ai lu ça, je me suis dit, ça pue un peu, tu vois. Je pense que le, il voit pas forcément. Ça a l'air d'être un espèce de mutant de festival, tu vois, un truc un truc greffé dans tous les sens, quoi. Mais pourquoi pas? Ces festivals, c'est bien des fois de se réinventer dans un contexte un peu comme ça. Particulier pour Cannes quand même, je trouve ça vraiment, ils sont carrément bouffés quoi. Cannes hors les murs, oui, je trouve ça rien,
assez triste dans le titre. Ah ouais. Mais d'ailleurs, Marie, du coup, je voulais avoir ton avis. En même temps, je voulais te lancer sur un truc, c'est qu'il y a eu une déclaration donc, de Thierry Frémaux, notre Thierry National, qui a dit que le festival n'aurait pas lieu en ligne parce que en fait, dans le festival, il y a fête et du coup, forcément, il faut fêter le cinéma et du coup, il ne faut pas le fêter en ligne. D'accord. Est-ce que un peu t'es deg ou t'aurais, toi en tant que festivalière aguerrie, est-ce que t'aurais aimé le voir en ligne ou tu serais dit en fait c'est pas vraiment le festival de Cannes? Mais évidemment que je me serais dit c'est pas vraiment le festival de Cannes, c'est quand même une sacrée ambiance et c'est deux semaines très intenses à vivre et tout ça, mais j'aurais quand même aimé voir les films ne serait-ce qu'en ligne parce que là on a juste rien pour compenser. À Venise, on pourra jamais voir ce qui se passe à Venise, à part si on y va, mais ce sera jamais le cas. Enfin, je sais même pas comment ils vont organiser ça. S'ils comptent mettre des quotas de gens pour respecter tout ce qui, toutes les normes sanitaires et tout ça, enfin, on pourra jamais y aller. Ouais. Donc en fait, on pourra jamais vivre le festival de Cannes qui aurait dû y avoir cette année. Donc ça aurait été une occasion de faire un peu sa pub quand même. Je comprends même pas comment il s'est dit non, je vais rester invisible aux yeux de tout le monde et je vais juste aller à Venise en sachant que ce sera beaucoup moins couvert que les autres années et que beaucoup de Français ne vont pas à Venise alors qu'ils vont à Cannes. Enfin, je trouve ça bizarre. Ouais, c'est vrai que... Ça a été l'occasion hein, de faire un truc en ligne, même si c'est... Enfin, je sais pas. Il va un peu parasiter, finalement, pour faire référence à la dernière Palme d'Or. Parasiter les autres festivals en disant, on va faire un Roi Lémur dans tous les festoches pour attirer l'attention sur nous. Bah oui, en même temps, c'est déjà ça, parce que clairement, c'est une très grosse perte pour le cinéma français et international de ne pas avoir eu ce festival cette année. Donc heureusement qu'il peut avoir des petites fenêtres dans pas mal de festivals, mais s'il avait pu faire quelque chose d'unique et propre à son festival en ligne, ça aurait été quelque chose quand même. On aurait pu quand même vivre les films qu'il aurait pu y avoir, et ça aurait fait parler de lui en plus. Enfin, lui qui aime bien qu'on parle de lui, je comprends pas. Tu rigoles, mais en vérité, lui, ce qu'il attend, c'est le Festival Lumière. Parce que ce qui fait le plus parler de lui, c'est souvent Lumière, c'est chez lui, c'est à Lyon et tout ça. Oui, mais je trouve qu'il fait des choix quand même vachement... j'aime beaucoup ce mot, vachement, parce qu'il est... il fait des choix qui me paraît étonnant, parce que déjà, pas de compétition. Et pour les exploitants de salles indépendantes à réessayer, vous imaginez bien qu'une Palme d'Or, ça rassemble beaucoup de gens à la billetterie. Pareil pour un grand prix, pareil pour un prix d'interprétation. Donc tout ça, ça va manquer. Donc les gens, sur quoi ils vont se baser pour se référencer? Parce qu'il y a un vrai public de ça, quoi. Je veux dire, la Mostra de Venise, c'est pas toujours garanti que le grand prix rassemble. Enfin, la Mostra de Venise, c'est pas aussi fédérateur. Et en plus de ça, Cannes, c'est un vrai espace, on l'oublie souvent, mais pour les exploitants, pour les distributeurs, enfin un truc très professionnel où ils se rencontrent, tu vois, par exemple, il y a la réunion des exploitants auquel du coup Diagonale ils vont et là exactement. Et c'est là où tu négocies, c'est là où tu vois ce qui va se faire aussi dans les deux prochaines années ou mais encore ça tu peux le faire en ligne. Mais ça tu aurais pu le faire en ligne. Non, mais avec tout ce qui est possible de faire en ligne, il aurait même pu faire une compétition, réunir un jury qui se voit par Skype et qui décide de il aurait pu tout faire en fait hein, en ligne. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, il y a la compétition qui tombe en courant juin, notamment, parce que, la sélection va tomber et du coup on aura un peu une idée de à quoi aurait pu ressembler le festival. Ouais, c'est juste un peu... hyper nostalgique quoi. Ouais, voilà. Ça aurait pu ressembler à ça si ça avait eu lieu. Allez, dommage. Ouais, c'est un peu frustrant tout à fait, mais après, est-ce qu'on pouvait faire mieux avec les obligations et tout? Lui, il voulait... Avec l'argent qu'ils ont, je pense qu'ils embauchaient quand même des personnes compétentes. Bien sûr. Puis même pour les films et pour les réalisateurs et tout, il y en a, c'est un super tremplin pour eux. Et... Moi, je crois que ces gens-là, et c'est surtout Thierry Frémaux, jusqu'au dernier moment, ils ont cru qu'ils allaient faire un festival avec des yachts et des papiers rouges. Jusqu'au dernier moment... Oui, ils sont pas... Oui, c'est vrai. C'est peut-être sa faute, il s'est pas préparé, il s'est pas dit, on va essayer de faire avec... Mais attends, encore du temps en fait, si tu veux vraiment faire quelque chose. Surtout qu'il avait son job, il avait dit en juillet, pourquoi pas. Donc, effectivement, c'est un peu embêtant. En plus, c'est à nous maintenant, je parle surtout aux journalistes professionnels, de faire cet aspect critique et cette sélection que va pas être faite par un jury professionnel. Il va y avoir certainement des prix maintenant. Des journalistes qui vont se réunir pour dire, selon la sélection que Thierry nous a donnée, nous, on va choisir que ça va être ça, tu vois. Pas officiel, mais on aura plus de poids maintenant et on va avoir plus de
juste de façon de, d'encourager les spectateurs et spectatrices à aller en salle pour voir tel ou tel film. C'est vraiment important, hein. En tout cas, le rôle de journaliste en cette période. Oui, on voit les titres, hein. Je vois très bien le Figaro avec un titre, notre Palme d'Or. Ouais, mais ça le faisait déjà avant. Il le faisait mais là, déjà. Ça aurait déjà le sens. Mais là, ce sera vraiment la Palme d'Or. La Palme d'Or. On va clôturer donc avec une note un peu plus positive puisqu'il y avait beaucoup de nostalgie en parlant du festival. Certains cinéastes ont eu des fourmis dans les mains pendant le confinement, notamment Michael Bay. Donc il a réfléchi à un film de SF sur la pandémie actuelle avec une projection dans deux ans je crois. 2 ou 3 ans donc avec une seule question, et si le virus donc continue à geler la société et à effondrer le monde actuel, qu'est-ce qui se passera ? Donc voilà, c'est un film, je pense que c'est le pire film parce que il va être totalement dépassé par le temps. Bah, dans 2 ans, il sera totalement obsolète. Ouais, c'est le 2012 syndrome, je sais pas. Ouais, c'est ça. Complètement. Exactement. Et autre créatif, et là un peu plus familier du Festival de Cannes notamment, donc ancien retraité aussi, Steven Soderbergh, donc a eu la nostalgie du Festival de Cannes, puisque et de sa Palme d'Or, surtout Sexe, Mensonge et Vidéo, puisqu'il a écrit la suite. Donc à son film de 89. Alors déjà le film de 89, il avait écrit en 8 jours pendant un voyage. Là, il a écrit pendant le confinement. Et surtout, il a ajouté donc dans une interview qu'il a annoncé avoir écrit 3 scénarios. Un moment privilégié pour lui apparemment. Mais ce que je trouve ironique, c'est que c'est lui qui avait annoncé donc la contagion, on va dire, dans Contagion. Mmh. C'est un moment qu'il a plutôt privilégié pour être un créatif. Est-ce qu'on va avoir plein de films qui vont sortir comme ça intéressant grâce au confinement, on ne sait pas, mais en tout cas Soderbergh. Moi j'ai envie de te dire quand même, Soderbergh, il a la nostalgie du festival. Moi j'ai la nostalgie de, enfin il devrait avoir la nostalgie de du cinéma parce que ce mec-là quand même. Logan Lucky, il a fait il y a pas longtemps. Oui, mais tu vois, ça remonte quand même 2015-2016. Non mais il a fait un autre film sur la paranoïa, je crois. Ouais, mais c'est un parmi une dizaine. Oui, moi pour moi son dernier grand film c'est Ma vie avec Liberace qui était excellent, qui était pas du cinéma, qui était HBO d'ailleurs. C'est vrai que c'est moi je trouve que ça bien quand même qu'un mec quand même qui a une Palme d'Or pour son premier film à 26 ans. Mm-hmm. Qui est le plus jeune à l'avoir eu et qui est vraiment un représentant quand même du cinéma d'auteur américain face un peu tous les plateformes, enfin soit un peu malléable comme ça. Mm-hmm. Puis même souvent c'est pour Logan Lucky, je crois le scénario, il avait inventé une femme qui avait écrit le scénario, mais en fait c'était lui, enfin on sait pas tout à fait exactement, des fois il se cache derrière des faux noms. En tout cas voilà, donc c'était les actus dont je voulais vous parler. On va passer au premier film donc de cette soirée, Pinocchio de Matteo Garrone, bande annonce. D'accord, quasi finito, dai. Pinocchio, dai, di qualcosa, muovi la bocca al tuo babbo, ecco, di babbo. 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 Ciao figliolo, mi sentite? Che è successo? È nato un figliolo, sono diventato babbo. Pinocchio, ti piace come ti ho fatto? A me tanto. Ciao figliolo mio, ciao. Portate il mio figlio alla scuola. Pinocchio! Ma come t'ho neanche finito di fare? E già manchi di rispetto ai babbo. Siamo noi a trovare il babbo. Hai detto 5 secchini? Intanto mi presento, io sono la volpe. Pinocchio. Bellissimo nome. Io sono il gatto. Pinocchio. Bellissimo nome. Perché non mi racconti un po' cosa ti è successo? Ho trovato due assassini nel bosco. Ma che sta facendo il naso? No, no, niente, sai. Hai detto un po' di bugie e ora ti sta crescendo il naso. Vieni, vieni. Pinocchio, ricordati. I ragazzi che vogliono fare di testa loro. Prima o poi se ne pento. Sta zitto! Via! Madame e Monsieur, ecco a voi Pinocchio! Informalo, per favore, robe tutta! Pinocchio! Il babbo sta arrivando, non ti preoccupare. Vado in un paese bello, si chiama il paese dei balocchi. Facciamo una piccola magia. Voglio diventare un bambino come tutti gli altri. C'était la bande-annonce de Pinocchio de Matteo Garrone, donc un film sorti le 4 mai 2020, donc sur Amazon Prime directement.
Donc c'est la réadaptation, en tout cas la plus proche de du livre de Carlo Collodi. Donc le classique qui a donné lieu évidemment donc au film Disney. Cette fois-ci, c'est une version donc avec Roberto Benigni, donc encore une fois, donc qui joue Geppetto, et donc le jeune acteur Federico Lelapi, donc qui interprète Pinocchio. Qu'avez-vous pensé de ce film, Marie? Qu'as-tu pensé de ce film? Je sais que tu fais un peu la moue là. C'était une séance un peu particulière. Je m'attendais pas à une. Bah, j'allais dire une relecture, mais du coup, c'est vraiment une lecture, parce que c'est très, a priori, c'est le film le plus littéral qu'on peut trouver par rapport au texte, c'est ce qu'il disait Matteo Garrone. Et moi, évidemment, en enfant des fin années 90, début 2000, je ne connais que le Disney, évidemment. Et du coup, je m'attendais pas du tout à cette histoire-là. Et j'ai été un peu secouée. Autant les effets spéciaux, je les trouve très très beaux, les images, enfin rien à reprocher visuellement au film, la photographie est très bien menée, tout ça. Mais j'ai eu un gros problème avec le scénario parce que il y a des scènes qui paraissent un peu phares quand même dans l'histoire. Je pense à l'île aux jouets ou à la scène de la baleine, qui est pas vraiment une baleine, on peut se le dire. Qui sont rushés, mais complètement rushés, et qui du coup le rythme de l'histoire est très 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 bizarre. J'ai eu beaucoup de mal à m'intéresser aux personnages et à rentrer dans cette histoire parce que je trouve que ça allait trop vite et que on s'attachait. Ben moi j'ai vraiment des scènes dans la tête, même si c'est pas forcément une vraie adaptation celle que je connais. Enfin des scènes qui m'ont marquée et que j'ai pas retrouvé cette nostalgie là ni ces moments forts là dans le film. Enfin, moi, je me souviens que Pinocchio, c'était quelque chose qui m'effrayait énormément, et c'est un peu le but de l'histoire, c'est d'effrayer les enfants, clairement, à la base. Et tu penses pas que si un enfant, bah, je sais pas à quel âge tu as vu le Pinocchio de Disney? Très jeune, mais... Mais tu vois, si un enfant qui avait le même âge que toi regardait ce film-là, je pense qu'il aurait peur, tu vois. Le film de Matteo Garrone? Ouais. Oui, mais c'est moins marquant. Enfin, tu vois, la baleine, ça dure 5 minutes, quoi. Ah c'est censé être une scène vraiment épique où, clairement, tu te bats contre des choses incroyables. Et là, bon, on s'en fout un peu, quoi. Puis Roberto Benigni, bah, il est là sans être là, malheureusement. Alors que je l'aime énormément, hein, mais voilà. Et le petit, là, il a beaucoup de mal avec son jeu. Je trouve qu'il dit toutes les phrases sur le même ton. Du coup, on s'attache pas du tout à Pinocchio. Bon, on s'attache rarement à Pinocchio dans l'histoire parce que clairement il est insupportable. Mais là, c'est même pas qu'on s'y attache pas, c'est qu'on s'en fout complètement. Enfin, moi je trouve, en tout cas. Mais par contre, j'ai bien aimé le fait qu'on voit plus la fée, qu'il y ait plus de scènes avec elle parce que c'est des passages que je connaissais pas du tout de l'histoire. Mais voilà, j'ai eu vraiment un problème avec l'histoire. Enfin, je me suis un peu ennuyée. Et puis il y avait des choses auxquelles on s'attend pas. On s'attend à ce que ce soit très réaliste au début. Et d'un coup, on plonge dans un monde totalement irréaliste, justement. Ouais, sans transition, en plus. Où les personnages vivent des choses que, pour eux, c'est logique de les vivre. Ils sont pas du tout surpris. Et nous, on se dit, mais attends, il parle à une mûche. Comment ça se fait que ça ne le surprend pas? Mais eux, ça va. Ils le vivent bien. Et du coup, c'est à la fois drôle et à la fois très, très, très frappant. Enfin, ça fait bizarre aux spectateurs. Effectivement, non, c'est vrai que c'est un film qui allie bizarrement fantastique et réel. Oui. Parce que... Il n'y a pas de frontières. Là où par exemple tu peux avoir un film fantastique qui crée une ambiance, une atmosphère un peu sans dire fantaisiste ou quoi, mais vraiment d'avoir un décor avec une ambiance vraiment particulière. Là, on a tout dans les costumes. On a assez peu de décors parce que les décors, bon, c'est souvent des ruines ou des paysages qui existent déjà. Il y a assez peu de décors qui invitent au rêve en tout cas, ce qui est assez frustrant, je trouve. Alors que visuellement, je trouve que les costumes sont et le maquillage est exceptionnel. Oui, parce que c'est très très beau. Pinocchio, là, je sais pas si tout le monde a vu la bande-annonce avec cette peau magnifique en bois, c'est vraiment du maquillage. Donc, mais parce que c'est ça le problème, c'est censé être une peinture de cette époque-là, de ce que les gens vivaient, c'est un peu une fresque sociale, montrer la vie paysanne, tout ça. Et d'un autre côté, t'as un monde totalement imaginaire, fantastique, qui est censé parler aux enfants et de leur dire ça c'est bien de faire, ça c'est pas bien, si tu fais ça tu seras sage et du coup t'auras des récompenses. Bon, déjà j'ai un peu de mal avec l'histoire de base de Pinocchio parce que clairement c'est vraiment faire peur aux enfants pour qu'ils soient super sages, et enfin voilà. Mais du coup il allie deux aspects de l'histoire qui sont mal imbriqués, je trouve. Okay. Voilà.
C'est vrai. Adrien, quel est ton avis sur Pinocchio? Moi, je rejoins ce que vous dites là, tous les deux. Moi, j'ai du mal avec le film parce que je sais pas en fait ce qu'il veut dire ce film. Je trouve qu'il y a pas de fond. Il fait une illustration du conte, quoi, mais au fond, où est-ce qu'il nous amène, quoi? Je trouve que Spielberg, dans AI, Intelligence Artificielle, il avait vraiment travaillé la question. Pour moi, c'était très dur de passer après ça. C'est vraiment mou. J'ai tendance à dire que moi, les films où il y a des sales gosses, je suis le premier fan. Je pense à Florida Project, qui est un film chevet pour moi. Là, vraiment, si c'est ça, être un sale gosse, c'est ennuyeux, quoi. Et puis, je crois que j'ai du mal avec la morale, comme disait Marie, du conte, parce qu'au fond, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte quand même d'aller dans le droit chemin, quoi. Tu vois, il faut être bon à l'école, et puis il faut être très gentil devant cette espèce de fée qui est jouée par Marine Vac, hein, complètement inattendue. Donc tout ça, ça donne un mélange très particulier. Moi, je suis moins sûr que vous sur la qualité esthétique des effets spéciaux et de l'image. Je prendrai l'exemple du poisson ton. Ça m'a choqué. Je pensais qu'ils font un même sur internet là-dessus parce que c'est vraiment enfin ça me fait penser aussi à la scène de Le sens de la vie des Monty Python avec plein d'acteurs comme c'est un peu plus cheap d'ailleurs. Trouve qu'il y a un côté absurde qui est vraiment fascinant et très fantastique du conte. Oui, mais t'as quand même des dialogues chant contre chant, tu vois. Oui, effectivement. Il y a un poisson, tu parles à un poisson-ton, quoi. C'est très bizarre, en fait. Poisson-ton, c'est vrai. Ça dure plus de 5 minutes. Mais c'est ça, c'est totalement surréaliste. Et puis, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir une vision quand même plus freudienne aussi du film, c'est-à-dire quand même cette histoire de gamin qui passe dans le monde des adultes, c'est très chelou. Je trouve que ça s'est complètement évacué du film, hein. C'est peut-être ça le problème. Je pense que Disney était peut-être plus hardcore à ce niveau-là. Roberto Benigni, bah, il fait ce qu'il peut, pauvre quoi. Il avait déjà adapté Pinocchio en 2002, c'était une catastrophe, vraiment. Mais je crois que j'aime pas le conte. Après, voilà, Matteo Garrone, c'est un cinéaste que j'aime bien à côté. Dogman, moi j'avais adoré ça. Je trouve que pour le coup c'était un vrai conte. Il avait fait Tales. Oui, il avait fait ce film américain avec Vincent Cassel, tout ça. Mais bon, c'est Gomorrah son film. Son film phare. Après, je sais pas, est-ce que Matteo Garrone est un grand cinéaste? Est-ce que vraiment c'est un auteur comme on le pense? Moi, je crois pas trop qu'il était présent pendant le tournage. J'ai l'impression que parfois, il y a des scènes qui sont complètement laissées à l'équipe technique. Faites ce que vous pouvez. Il y a des problèmes, je trouve, des fois, dans le cadrage de l'image. C'est vraiment inégal, quoi, dans ce que ça raconte. Effectivement, je trouve que c'est un film qui est bizarrement en dents de scie. Esthétiquement, je trouve que c'est vraiment le extrêmement qualitatif. Vraiment, j'adore le fait d'avoir une patte. Non, mais je comprends ce que tu dis là, mais en même temps, c'est limite Terry Gilliam, tu vois. Enfin, je sais pas si ça va bien vieillir, tu vois, cet escargot. Moi, je le trouve insupportable à regarder. La fée, t'as envie de souffler dessus pour que la poussière elle disparaisse, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je comprends que tu puisses avoir des réticences. Moi, là où vraiment je trouve que le film a ses limites, c'est que vraiment, ça ne raconte, il n'y a pas de niveau de lecture. Non, c'est ça. Ça ne raconte pas grand chose. Pas de prise de position. Et j'ai l'impression que, voilà, c'est un conte quand même qui est devenu américain. On parle de film de Disney. Et les Italiens, ils se sont dit, j'ai envie de m'accaparer ce film qui bientôt va être réadapté. M'accaparer, c'est leur patrimoine. Hein. Non, oui, mais bien sûr. Mais tu vois, par exemple, nous, j'écoutais un podcast où ils disaient, les films de, 20 milieux sous les mers, par exemple, il n'y en aurait pas un français. Tu vois, c'est des trucs qui font partie de notre histoire et finalement, c'est tellement ambitieux que nous en France on le ferait pas. Et là je trouve que voilà, Guillermo del Toro va faire sa version l'an prochain. Netflix, donc je trouve que ça a vraiment du sens quand même qu'un film italien parle de ça avec forcément la langue italienne, parce que souvent dans des adaptations c'est en anglais. Là c'est totalement, on est totalement dans un univers et je trouve ça d'autant plus frustrant quand tu es en face d'un film qui te raconte rien de sur des niveaux de lecture adultes ou quoi. Enfin, je trouve que ça a vraiment pas de portée moderne en plus. Ah, ça fait vraiment leçon morale pour les enfants. Exactement. Le film aurait pu être écrit, s'il avait respecté le scénario. Le scénario aurait pu être adapté dans les années 30, quoi. Enfin, il y a aucune différence vraiment avec l'époque dans laquelle on vit, un propos sur l'actualité, je sais pas. Pourtant, on sent j'ai l'impression que parfois il voulait prendre position sur certaines choses. Par exemple, il faut que t'ailles à l'école pour être sage, mais l'école, il vit des choses ignobles à l'école. Enfin, j'ai l'impression qu'il voulait amener du propos en disant l'école ça se passe pas toujours bien, sur le harcèlement scolaire, j'en sais rien, mais que il a pas réussi à aller jusqu'au bout et du coup c'est ce que tu dis Adrien, on sait juste pas ce qu'il veut dire, est-ce qu'il suit le compte ou pas, est-ce qu'il va à l'inverse, on sait pas.
Et je trouve qu'il manque vraiment d'empathie avec certains personnages. Je trouve complètement là, le chat et le renard, on peut plus faire des personnages comme ça en 2020. C'est terrible. C'est complètement dépassé, je trouve, cette vision manichéenne des voleurs, là, complètement grotesque. Et puis voilà, est-ce que c'est un film d'époque aussi? Je me pose la question. Oui, c'est vrai qu'il y a on sent vraiment dans Pinocchio une nostalgie, mais tellement pour les films, freaks un peu, tu vois, avec, bah, il y a énormément de personnes, des acteurs qui sont des personnes de petite taille, tu vois, enfin, c'est vraiment très très présent, et en tout cas le cirque est vraiment, le divertissement, en tout cas, dans l'univers du film, donc, Je me suis fait cette réflexion en voyant le film, je me suis dit, mais en fait, c'est un, comment t'appelles, American Horror Story raté. Ce truc-là. Parce que ça, peut-être que ça manque de bizarrerie, peut-être que ça manque un peu de d'ombre dans les lumières, je sais pas comment dire ça, mais vraiment un truc effrayant. Oui, c'est vrai. Et pourtant, il y a avec le maquillage et tout, il y a le gaz, mais il n'y a pas l'étincelle de. Il n'y a pas. Même l'épisode de la baleine. La baleine, moi, c'est quelque chose de ouf. C'est ce que j'attendais de plus, la moi baleine. Aussi. C'était vraiment la promesse du film. C'est-à-dire, je tiens au moins pour voir ça. Et en fait, déjà, c'est un requin, déjà. L'arnaque. C'est vrai qu'évidemment, c'est la promesse, c'est un peu. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, effectivement. Puis, il y a des certaines choses que. Forcément, tu corriges, notamment Disney, bah, comme on en parlait, il y a des certaines logiques qui sont corrigées, qui étaient peut-être pas dans le conte originel. Par exemple, oui, le c'est fait ça, qu'il ça reste pas dans le conte, mais oui. Il reste dans Monstro. Déjà, le Monstro n'est jamais cité, mais... Bah, il dit monstre, quoi. Ouais. Mais on... Oui, forcément. Mais du coup, tu vois, ils sortent par la bouche. Juste... Bah alors, papa, fallait que tu sortes, en fait. Allez, hop. Okay. Excusez-nous d'avoir spoilé, mais bon, comme c'est un conte très très connu, c'est des détails qui changent. Ils sortent de la baleine, sachez-le. C'est vraiment c'est des tout petits détails qui changent, sinon, voilà, c'est exactement un peu la même histoire. Mais ça aurait pu être quelque chose d'épique. Et puis, on peut revenir sur Jiminy Cricket 5 minutes, parce que c'est vraiment peut-être le plus grand malaise du film. C'est vrai. Mais moi, ça m'a fait rire, en fait. Tu exactement. Vois. Non, mais il y a des scènes comme ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Oula, ça a été un choc. Un vrai choc. Mon enfance s'est brisée à ce moment-là, hein, clairement. C'est clairement ça. Mais même, je comprends pas le casting, en fait. Tu vois, Marina Vac, je sais pas ce qu'elle fout dans ce film-là, quoi. À part l'idée que oui, c'est une jolie fille, alors elle va jouer la fée, tu vois. C'est un peu. C'est à peu près ça, j'ai l'impression. Je me dis, mais je crois que c'est un peu vieux jeu de dire des choses comme ça. Ah oui, complètement. Oui, mais tu vois, je pense que c'est le genre de film en Italie. En Italie, le film est sorti en décembre, ce qui justifie pourquoi. Mais tu sais, c'est un film, c'est le pacte qui a racheté ça des millions. Même s'il était à Berlin. Ils sont ruinés avec ce film. Ils avaient un plan de financement de 2 ans. Moi, je me souviens, on était au Diagonal, on recevait les cartons. C'était incroyable de recevoir autant d'éléments de communication pour un film comme ça. Les mecs, ils étaient sûrs de leur coup, c'était 3 séances par jour. Et puis, quand ils ont vu que le Covid arrivait, ils avaient peur de sortir le film parce qu'ils avaient peur de pas faire de beaucoup d'entrées, donc ils l'ont déplacé, tu vois, ces mecs-là, ils avaient vraiment envie de rentabiliser leur film. Surtout qu'ils ont prévenu personne, apparemment. Toute l'équipe... Ils ont prévenu un vendredi soir à 17h. J'ai reçu le mail. C'est ça. Aussi, moi. Donc, c'est vrai que c'est assez... Bon, après, c'est le contexte qui veut ça, mais c'est assez surprenant. Oui, c'est le contexte qui veut ça, bien sûr, mais c'est... Je trouve que c'est un film de salle, quand même, tu vois. Pour l'atmosphère, en tout cas, là, j'étais pas dedans. Bon, même s'il y a pas de décor, peut-être, mais je me demande ces gens qui sont allés le voir au festival. Comment c'était cette séance-là, quoi. Je te dis, le film est sorti en décembre en Italie. Il a eu un énorme succès c'est un peu, c'est un film qui réinvente quand même leur plus grande œuvre connue, en tout cas en termes de populaire et de l'histoire pour enfants, je crois, sans juger, mais. Mais voilà, donc je pense que c'est un film qu'il faut... il faut être italien pour avoir aimé. Non, je rigole, mais je pense qu'il faut avoir cette vision un peu nostalgique aussi de l'œuvre, ou en tout cas de cet univers. On va passer donc au deuxième film totalement différent, puisque c'est Forte, donc un film Amazon Prime également, donc réalisé par Katia Lechkowitz. Moi, je suis pas féminine. Deux fois. Non, t'es pas féminine. Bah, t'as vu ma fille, t'as vu le format. Il y a des gens qui aiment ce format, hein. Tout le monde est pas en A4. Bon, allez, faut que je me mette une petite gouache, là. Bim. Oh, pardon. Non, j'ai cru que c'était un petit sac de sable. Allez, à plus. Vraiment, si je veux, vraiment, je mets un legging, un brushing, il est à moi, le gars. Oh, c'est fou. Oh là là, là. Ok. Ça mérite pas tout ça. Je vais pas opérer un enfant à cœur ouvert non plus. Non. Oui, donc. Je sens que t'as envie, mais que t'oses pas.
sensuel. N'abandonne jamais. Tu prends ça, tu t'entraînes tranquille, je suis là, je bouge pas. Oui, enfin alors nourris-toi quand même parce que ça peut prendre du temps cette histoire. T'as bonnet à pole dance attitude. Et vous vouliez pas que je sois plus féminine moi? Je te parlais d'enlever ton bonnet, pas te frotter à une barre. On s'en fout de ton cul. La souplesse, elle est là. Elle est là, mon ange. Pendant 2 minutes, j'ai vu la brèche. Et j'ai kiffé. Comme ça, t'étales. Et on va trouver une solution pour que tu fasses un peu moins mounir, ma soeur. Excusez-moi, pardon, je... Voilà. C'était la bande-annonce de Forte, donc un film sorti le 15 avril sur Amazon Prime. Alors le résumé, puisque là donc c'est pas une adaptation, c'est le seul film qui est pas une adaptation cette semaine. Nour donc est une jeune femme au fort caractère, mais elle est complexée par ses 20 kilos de trop, donc c'est vraiment le résumé du distributeur, je le dis. Hein. Et son seul bonnet comme marque distinctive, elle a alors une idée qui peut paraître saugrenue. Elle va s'exercer à la pole dance. Après avoir surpris un homme au charme duquel elle a succombé, en train d'admirer les filles qui en faisaient, avec l'aide d'une coach, elle va essayer de prendre progressivement confiance en elle. Donc voilà, c'est un scénario assez simple, mais finalement, voilà, portée sur la pole dance qui est pas forcément très visible au cinéma. C'est un self-made man, quoi. Woman. Donc, c'est un film dans lequel on retrouve Meïda Bedia, qui joue Nour, Valérie Remercier, qui joue la coach, Alison Wheeler et Bastien Huguetto, qui jouent ses meilleurs amis, Jonathan Cohen et Ramzi Bedia, pour compléter le casting. Marie, qu'as-tu pensé de ce film? Pas du bien. en réalité, je m'attendais pas à grand-chose de la de base. Hein. J'avais vu la bande-annonce au cinéma, pour le coup, et voilà, je m'attendais à une comédie française comme j'en vois tout le temps, c'est-à-dire qui n'est pas drôle et qui en plus est très problématique. Ce fut le cas. Donc finalement pas déçu hein, de ce que j'ai vu. Je sais même pas comment, par où commencer. Esthétiquement parlant, j'aurais rien à dire parce que y a rien à dire. Voilà, c'est une comédie française. Voilà, n'importe quelle comédie, vous verrez la même chose, les mêmes images. Et c'est plus au niveau scénario que ça pêche, puisque ça se veut parler de l'émancipation des femmes, ça se veut engager pour dire n'importe quel physique, c'est bien, voilà. Enfin, le message à la base, c'était très bien. Puis montrer le pole dance, c'est vrai que c'est pas souvent montré, c'est très cool de le montrer. Et de voir ces images, mais en fait c'est fait de manière extrêmement problématique puisque ça passe par le regard de beaucoup d'hommes qui objectifient du coup les femmes qui le regardent. Tu l'as dit clairement dans le résumé, elle fait ça parce qu'elle a vu un mec qu'elle aime bien en train de regarder les femmes qu'il faisait et il les trouvait belles. Voilà, tout est dit dans le scénario, c'est-à-dire que on passe par un regard d'objectivisation des femmes et du coup tout le film c'est ça. Et clairement, ça se veut engagé contre la grossophobie, mais les blagues sont grossophobes. Donc clairement, c'est typique des comédies françaises qui veut porter un message engagé et tolérant et qui fait totalement l'inverse dans son écriture. Enfin, on a vu ça avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, avec Coexister, tous ces trucs-là. Enfin, voilà, c'est exactement le même schéma que toutes ces autres comédies. Et c'est extrêmement peu plaisant à regarder, peu drôle. Moi, j'ai déjà les comédies, j'ai du mal, mais voilà, je n'ai pas du tout ri. Et j'étais très surprise du casting aussi, parce que j'avais rien regardé de voir Alison Wheeler. En plus, les personnages sont tous très... J'ai l'impression qu'il y a eu une volonté de les faire un peu originaux, et au final, ils sont tous très très clichés, très basiques. Alison Wheeler, qui va absolument trouver un mec, mais elle dit pas qu'elle a un gamin... Bastien, je sais plus quoi. Huguetto, ouais. Voilà, Huguetto, qui a fait polémique avec sa superbe pub Gaumont. Ouais, sur le Hassan. Qui se pose des questions sur son orientation sexuelle. Enfin. Oui, c'est vrai qu'il y a des tout. En fait, souvent, pour ce cas-là, sans révéler exactement ce qui se passe,
on nous engage dans une idée du personnage et on se dit en fait bah non en fait ils veulent faire de l'originalité. Ouais. Et juste au dernier moment ils changent ça. Toutes les ficelles scénaristiques sont hyper visibles mais de loin tu vois ce qui va arriver clairement tu peux connaître la fin du film en ayant juste regardé le début hein, franchement il y a aucune surprise. Si et les surprises sont pas justifiées du coup c'est mal fait. Les surprises mais quelles surprises? Bah en vrai moi je trouve que enfin sa relation avec le livreur. Je suis désolé, mais ça sort un peu de nulle part, tu vois. Enfin, je trouve que c'est pas. Bah là, c'est l'effet inverse. Oui, ça sort tellement de nulle part. Ça sort tellement de nulle part que ça surprend. Ben, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens ce qui se passe. Moi, vraiment, parce qu'on va pas non plus parler énormément du film parce que je trouve qu'il y a pas énormément à dire. Esthétiquement, ouais, il y a rien. Il y a très très peu de rythme. Moi, je trouve ce qui m'a choqué au début parce que je trouve encore les blagues du début sont pas forcément gênantes. Ça vient un peu après, mais. Il y a énormément un manque de rythme quoi. Enfin vraiment, il y a pas de ping-pong entre les personnages sans dire non plus que j'attendais ça. Mais c'est pas non plus de la dramaturgie. En tout cas, dans les dialogues, il y a pas d'engagement par les comédiens et comédiennes. On est aussi en face d'un film qui s'en fout des autres personnages parce que tu parlais des meilleurs amis qui forcément sont des seconds rôles, mais quand même. Ah oui, Ramzi Bedia. Qu'est-ce qu'il fout là ? Il fout là que c'est le frère de l'actrice principale. Oui, voilà. Clairement, ça sert à rien. Tu vois, ouais, lui, par exemple, il a aucune destinée. Sa mère également, c'est un peu plat. Oui, puis oui. Et le pire, c'est ses amis, comme tu le dis, tu vois. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, on va faire un scénario pour les amis, qui va être un truc parallèle, un peu comme on peut l'avoir, qu'on peut avoir en série, par exemple, qui va être suivi en parallèle de l'histoire principale. Sauf que, ils se sont rendus compte, et ça, c'est sûr, qu'ils avaient pas assez à dire, et du coup, ils finissent l'histoire des personnages principaux, enfin, des seconds personnages principaux. À une heure du film. Mais non. Du coup, si. Franchement, c'est pas fini. Oui, mais ils la finissent pas, mais du coup, ils leur donnent quasiment un terme à une heure du film, du coup. Oui, un terme vraiment. Pendant une demi-heure, on s'en fout des autres, alors qu'en général, ce genre de film, on aime bien avoir plusieurs petites histoires à suivre. Et là, vraiment, on en a plus qu'une à la fin et qui nous intéresse pas forcément, mais il y a un manque total de richesse là où vraiment ils nous donnaient vraiment plein d'éléments au début. Il y a des personnages qui sont vraiment très bâclés, comme les personnages asiatiques dans ce film, c'est exceptionnel. C'est vraiment c'est très très gênant. Là, on en a deux et elle parle quasiment pas sauf avec un accent assez fin. Mais non, elle parle pas français. Oui, elle parle pas français mais il y en a une. Et du coup on en rit. Il y en a une sa blague français, c'est voilà, on comprend rien de ce qu'elle dit. Mais... Voilà, c'est un film qui malheureusement est assez gênant parce que j'aurais beaucoup aimé rire de ce film. Hein. En tout cas, qu'est-ce que tu en as pensé Adrien? Bah écoutez, oui, comme vous quoi. Moi je suis absolument embarrassé. Voilà, c'est le premier film de Mela Bedia. C'est un gros film hein pour elle hein parce que premier rôle déjà. Premier rôle. J'ai l'impression que c'est un film de Kev Adams sans Kev Adams. Oh là là, oui. J'ai l'impression que Valérie Mercier elle est là parce que c'est un gage de comédie française pour les plus de 40 ans. J'ai l'impression que Jonathan Cohen il est là parce que c'est un gage de comédie française pour les plus de 30 ans. J'ai l'impression qu'Alison Wheeler elle est là parce que entre deux capsules sur Quotidien, elle va être là avec le public de Quotidien à ça. Complètement. Je sais pas quoi dire de plus sur ce film. Au fond, moi, je suis très embarrassé parce que ça raconte. J'ai l'impression que les femmes, le seul moyen... Enfin, c'est même pas la question des femmes, mais c'est la question l'apparence. Si, pour les femmes, le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire du pole dance, enfin ou des trucs comme ça, hein, parce que c'est que comme ça qu'on appréhende son corps. Ah, oui. C'est complètement génial. Et puis, je suis... Voilà, je suis très embarrassé par la qualité des dialogues, je suis très embarrassé de voir que ce film-là va finir sur TF1 à 20h un dimanche soir et qu'il va faire un score pas possible. Et en tout cas, des fois, t'as l'impression quand même, ce film-là, il a du budget, quoi, enfin, pour faire certaines scènes, et tu dis, mais putain, mais enfin, il y a des gens qui se sont cassés la tête pour faire ce film-là. En tout cas, voilà, j'ai pas plus à en dire. Si ce n'est une chose, moi j'aime beaucoup l'actrice qui joue sa mère. J'aime beaucoup cette femme, elle me fait beaucoup rire à chaque fois. C'est vrai que c'est un personnage forcément qui est un peu drôle parce que... Oui, parce qu'on la voit de film en film, voilà. Elle a toujours le même... mais elle me fait beaucoup rire. Mais en plus, je trouve qu'elle, c'est la plus intéressante à suivre parce que elle comprend pas trop sa fille en tout cas. Et c'est comique, ouais. Parce qu'elle essaye de la protéger. Non, franchement, oui, c'est vrai que c'est le seul personnage à sauver. S'il y en a un, en tout cas, c'est la rôle de la mère. Et j'ai même du mal avec le titre du film qui s'appelle Forte. Enfin, je sais pas ce que ça doit dire. Parce que, voilà, physiquement, elle est forte. Et du coup, elle est forte. Oui, mais voilà. Donc, il faut qu'elle soit forte dans tous les cas pour pouvoir... Enfin, moi, c'est un discours que je comprends. Enfin, c'est du féminisme, aseptisé quoi. Je sais pas comment dire. Oui, c'est même pas du féminisme. Ça voudrait être du féminisme. Et je pense que c'est possible que la
je pense que le scénario peut-être en disait plus, et tu vois, mais avec le montage, ça rend mal. C'est possible. En fait, moi, il y a un bénéfice du doute sur des bonnes intentions du film. En vrai, sur certains éléments, je trouve. Hein. Enfin, je trouve que le film n'est pas forcément raté. Ça peut avoir des bonnes intentions, mais ça a été mal fait. Et du coup, ça a pris le chemin inverse, clairement. Et en plus, hein, Valérie Mercier dans le film, j'ai l'impression qu'elle sait pas ce qu'elle fout là, quoi. Enfin, la pauvre, les costumes qu'on lui donne, elle est très, j'ai l'impression qu'elle est très gênée avec ce qui se passe. Ouais, c'est possible. Et pour le scénario, je dirais même que j'ai l'impression qu'il a passé de main en main, tu sais. Il y a Mela Bédia qui a eu le film, elle a réécrit ses dialogues. Valérie Mercier, elle a eu le film, elle a réécrit ses dialogues. Jonathan Cohen, il a eu le scénario, il a réécrit. J'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Effectivement. Bah, le principal a très commis. Sauf des trucs un peu gênants, donc avec le personnage asiatique, c'est souvent des quiproquos, mais il y en a tellement que c'est nul souvent. Enfin, par exemple, Jonathan Cohen avec elle, ça rend rien et c'est pas intéressant. Enfin, il y a énormément de quiproquos dans le film, et je trouve que... Puis forcément, c'est un prof de sport, quoi, tu vois. Bah... Oui. Mais après, je serais pas aussi dur avec Mela Bédia, qui je pense avait vraiment, enfin, je pense c'est... elle joue pas si mal, hein, pour un premier rôle. Le personnage qu'elle crée, le stand-upeuse, tu vois, comme ça, qu'on a vu venir il y a quelques années, ben, il y avait quelque chose à faire, quoi. Mais les Américains auraient peut-être été plus forts pour ça. Un Joe D'Apato aurait eu une meilleure vision sur... Non, mais c'est vrai, on manque de créateurs qui ont une vraie vision sur les stand-upers en France, et c'est souvent comme ça que les Gad Elmaleh, ils tombent un peu en casse-gueule. Et aux États-Unis, il y a un vrai savoir-faire. Même HBO sait très bien faire ça, tu vois, je veux dire... Non, effectivement, mais c'est l'identité française, c'est comme le festival des l'Alpe d'Huez, pardon, où il était. Là, je regardais, l'Alpe d'Huez, c'est quand même fascinant, parce que l'édition 2018, on va clôturer là-dessus, donc c'est l'édition d'avant où le film était présenté, il y avait en compétition Les Tuches 3, La Petite Famille et Tout le Monde Debout, de Franck Dubosc. Voilà, c'est un parfait résumé. Mais, c'est vrai que le festival de la comédie de l'Alpe d'Huez a un peu... souvent gênant là-dessus, c'est et souvent il y a plein de films. En fait, il y a souvent un film sur un trait physique. Je crois, l'handicap ou enfin. Les comédies de ce type, c'est tout le temps ça. On part sur un truc qui peut poser problème, mais on va faire en sorte que non, en fait. 100% bio. Attends, je l'attends totalement. Oh là. Alpe d'Huez. Ça me fatigue déjà. Faut vraiment qu'on demande de la crède avec Radio Campus Montpellier. Mais il faut y aller, faut voir ça, parce que moi j'attends juste le jour où ils font un hommage à Christian Clavier avec une rétrospective. Pour terminer, j'ai l'impression que ce film-là, c'est un film aussi pour faire la tournée de tous les multiplex. Oui, exact. Ils font venir la crise. Des gens connus, ils font un espèce de faux débat où tout le monde chiale en disant je me suis trop reconnu dans le film, tu vois. Oui, voilà. Et puis ils mettent ça sur la page Facebook de Gaumont, et puis voilà, et puis mettre ça sur YouTube avant de regarder ta vidéo, et t'as l'impression que c'est un film tourné, quoi, de gros show, quoi. Tu tires à balles réelles, hein, vraiment, voilà. C'est vrai que c'est un peu ça, mais c'est vrai que ça existe tellement, au cinéma, et c'est tout le temps au Gaumont, voilà, enfin, c'est très, très souvent. Bah oui. On va faire notre première pause musicale, donc avec Radiohead et la version acoustique de Fake Plastic Trees, donc issu du film Clueless de la réalisatrice Amy Eckerling, un film librement inspiré du livre donc Emma de Jane Austen. Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic can. You bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of a town. It was a rub. It was a rub. It was around. It was around. She lives with a broken mind, a cracked polished styrofoam. It just crumbles and
C'était Fake Plastic Trees, donc en version acoustique, comme dans Clueless, donc un film à rattraper, déjà parce que c'est un teen movie des années 90, et surtout parce qu'il faut rattraper la filmo de Amy Eckerling, donc une légende du genre teen movie, puisqu'elle a lancé la carrière de Nicolas Cage, Sean Penn, Forest Whitaker, Jennifer Jason Leigh, dans Ça chauffe Early Cherry Richmond, que j'ai totalement envie de voir, donc en 90. Elle a lancé leur carrière. Elle a lancé leur premier film, à tous. Et vraiment, j'ai totalement envie de voir ce film. Voilà, donc ça me permet de faire le lien donc avec. Mais est-ce que Nicolas Cage, je sais pas Coppola qui a lancé ça. Eh non, son premier film, c'est vraiment. Oui, mais d'accord. Mais effectivement, oui. Familial. Mais je pense qu'il y a une production Coppola derrière. En tout cas. C'est possible. Et donc voilà, c'était Clueless, donc une version des années 90 du livre Emma, donc de Jane Austen, en version 2020, ça donne Emma de Autumn the Wild. Bande annonce. Mes bien chers frères, nous sommes ici. Achou! Aujourd'hui rassemblés en cette époque de grande innocence. D'innocence? D'innocence? Non? Emma. Il nous fait garde de qu'elle soit la fille de Zafir et aucune famille digne de ce nom. Mademoiselle Woodhouse, j'ai une nouvelle.
Jeune femme dotée d'un esprit vif et d'une haute opinion d'elle-même, Emma ne tarde pas à devenir l'un des pivots de la vie sociale à Highbury, petite ville de province anglaise, volontiers manipulatrice et excellent au jeu des rencontres arrangées. Elle se plonge dans l'univers émotionnel de ses contemporains, en tire les ficelles et trouve là son principal centre d'intérêt. Il s'agit donc du résumé du livre de Jane Austen, mais en tout cas c'est une adaptation presque littérale, en tout cas, qu'on retrouve dans le film de Autumn de Wilde. Donc il est sorti le 20 mars 2020 sur les plateformes de VOD. C'est un film dans lequel on retrouve dans le rôle principal Anya Taylor-Joy, donc on avait vu dans Split. Et dans The Witch. Et dans The Witch également. Il y a d'autres acteurs anglais, voilà, assez connus de visage, mais peut-être qui ont des noms un peu moins ronflants, on va dire. Donc Bill Nighy, bon, qui est assez connu, Johnny Flynn, Mia Goth ou Miranda Hart. Adrien, qu'as-tu pensé de ce film ? Bon, ben, écoutez, moi j'aime bien les films anglais, j'aime bien le côté prude anglais, il y a pas de souci, j'aime bien boire mon thé en regardant des films, je sais pas si ça vous parle, ah, là, mais c'est quand même un truc, un plaisir de cinéma. Donc pourquoi pas Emma, en plus un film d'époque, donc il y a du napperon et il y a des calèches, quoi. Et moi j'étais quand même assez déçu parce que je trouve le film assez enfin il fait dans la redite de ce que j'ai déjà vu 150 000 fois. Je trouve le montage très bizarre, il y a des cuts au niveau de tu vois dans le cadrage, il y a de l'action, il y a du mouvement, puis tout d'un coup ça cut pour mettre un autre focus. Je trouve ça très chelou, c'est pas toujours du cinéma d'ailleurs, c'est très clipeux hein, dans sa forme, pour capter des attentions, pour capter des regards. J'ai rien trop à dire dessus, moi j'attends de voir ce que vous allez dire, parce qu'au fond je me demande si je suis pas passé à côté. Les acteurs, je les trouve toujours en deçà de ce qu'ils pourraient être. Après c'est joli hein, il y a une très belle lumière, on peut le dire, il y a des bons choix dans les costumes, le casting de base avait du sens, mais voilà, je le trouve vraiment en deçà dans l'incarnation, dans la performance, dans le jeu d'acteur, et puis c'est un manque de Margot Robbie quoi. Effectivement, c'est vrai que bon, comparer les films, je trouve que les films historiques, en tout cas, bon là c'est une adaptation d'un roman culte, c'est assez difficile. J'ai toujours un regard un peu d'enfant quand je regarde ça, en me disant bah c'est un film pour adultes finalement. Et je me dis je comprends pas forcément. Et là je me suis dit finalement j'ai vraiment envie de me motiver parce que c'est un genre dans lequel j'ai vraiment très très peu de références et surtout j'ai vraiment totalement du mal à rentrer dans les dilemmes des personnages. Là on est vraiment dans un film. Alors Marie, je pense que tu vas en parler, mais c'est un film clinique, limite policier, dans le sens où c'est des dominos, quoi. Enfin, un personnage fait tomber un autre sans dire qu'il y a des meurtres, évidemment, c'est pas le cas, mais ce que je veux dire, c'est des sentiments, mais c'est clinique, c'est vraiment très 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 précis tout ce qui se passe. Il y a vraiment des détails dans les relations qui font bouger les choses et du coup tout se remet en place. Mais du coup, il faut vraiment être très attentif. Et je trouve que le film a cette vision-là avec une photographie. Bon, elle est photographe. On le voit vraiment, je trouve que les cadres donnent énormément à dire. Là où peut-être tu peux avoir un peu de mal dans le montage, moi je trouve qu'au contraire, il permet de mettre en relation des scènes qui, dans notre tête, auraient pas forcément matché, on va dire. Et je trouve que vraiment, il y a des incidences qu'on voit vraiment par le montage. Il y a aussi un peu de comédie avec le personnage de Bill Nighy, et notamment les personnages qui sont plus âgés, là où dans ce film, on s'intéresse aux personnages qui ont la vingtaine. Je trouve que le film donne aussi une bonne image, en tout cas assez classique, mais en tout cas une image qualitative de ce que de la bourgeoisie américaine, américaine anglaise en tout cas, oui, dans anglais, de la bourgeoisie anglaise dans l'esthétique, c'est-à-dire qu'on a tout de grand, c'est-à-dire les plans larges, c'est à des arbres immenses. Moi, ça m'a vraiment choqué. Je me suis demandé si c'était pas des fonds verts où tu te rends compte que c'est pas. Ouais, je pense pas, mais elle a vraiment trouvé donc Autumn de Wilde des super plans de paysage où on trouve ces personnages totalement écrasés par le décor tout le temps, et alors que vraiment ils sont tout petits dans leurs relations, c'est vraiment des relations de fourmis où ils sont, même s'ils sont très peu. Alors là, on est dans un film où en général, moi je trouve que les films historiques, il y a énormément de personnages, en tout cas à l'image. Là, on en a plein dans la tête, mais on en a très peu à l'image, ce qui rend un film totalement minimaliste. Et en tout cas un film sur le détail et le sens de l'intime. Donc je trouve que le film est totalement réussi là-dedans. Là où peut-être
il pêche un peu, je trouve que c'est au contraire dans ouais dans le rythme, parce que ces moments clips, moi j'aimais beaucoup. Enfin en tout cas ces montages un peu plus hachés, on va dire. Je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont un peu trop longues, mais c'est vraiment des détails et je trouve que les acteurs sont assez magnifiques dedans. Je voudrais juste réagir, si tu me permets, Marie, mais quand tu dis, quand tu parlais des décors et tout, mais c'est ça, j'ai l'impression que le film, la réal, elle a pris tout son temps en pré-prod, elle s'est fait un kiff dans le choix des costumes, des décors et tout. Ouais, je crois que il y a plus un boulot en amont que pendant, mais bon, c'est... Mais ça, en général, c'est, enfin, les films historiques comme ça, surtout, bah, c'est au 18e, 19e. 18e, ouais. C'est vraiment, ils mettent tout en général sur les costumes, mais je trouve que limite ça en devient tellement, je me dis bah c'est un classique du genre. Du coup je fais plus trop attention à ça, je me focalise vraiment sur les relations en tout cas. Marie, du coup, oui. Toi, moi j'ai énormément aimé, parce que déjà ce que disait Adrien, totalement la meilleure description de regarder le film avec un petit T, c'est un film anglais avec un casting purement anglais, historique. Moi c'est tout ce que j'aime, clairement, faut se dire. Et je pense que pour pas forcément apprécier le film, mais pour comprendre les enjeux, il faut connaître un peu l'œuvre de Jane Austen. Et clairement, je trouve que Autumn de Wilde a vraiment capté ce que faisait Jane Austen à l'époque. C'est-à-dire que elle écrivait des romans. Elle vient de la bourgeoisie anglaise, hein, clairement. Jane Austen, voilà. Donc c'est ce qu'elle a écrit dans ses romans. Et elle, ce qu'elle aimait faire, c'était déjà des peintures très sociales de comment vivaient les petites bourgades. Voilà, c'est pour ça qu'il y a énormément de grands paysages, qu'on voit beaucoup la ville, les relations sociales. C'est ce qu'elle voulait parler de ça, de comment vivaient les gens à l'époque. Et surtout, ce que Jane Austen adorait faire, c'était se moquer énormément de la bourgeoisie. Et la plupart de ses œuvres, c'est des parodies, des moqueries des romans sentimentaux de l'époque. C'est pour ça que dans le film, je trouve que c'est bien rendu, parce que parfois, on a l'impression que les personnages sont en surjeu. Je pense notamment à une scène entre Emma et Monsieur Knightley, sous un arbre, voilà, j'en dirais pas plus, où t'as l'impression que d'un coup, c'est très surjoué, bizarre, et en fait, c'est clairement parodique à ce stade de tout ce sentimentalisme qu'il y avait beaucoup dans les romans à l'époque, et de tous les jeux les jeux qui se passaient dans la bourgeoisie, parce qu'ils avaient tellement rien à foutre de leur vie, les bourgeois à cette époque, que leur occupation c'était d'être entremetteurs, de faire des histoires d'amour, de chercher des gens pour d'autres gens. Enfin, c'est totalement ce qu'on voit dans le film. Sauf que du coup, le personnage principal, il est tellement espiègle et particulier pour l'époque que ça rend tout drôle. Moi, j'ai énormément ri. Je trouve que le personnage d'Emma est très drôle et il est complexe. On peut l'aimer comme ne pas l'aimer, enfin la suivre comme ne pas la suivre. Il y a des choses qu'on lui reproche et d'autres qu'on l'encense, et je trouve ça très très cool. Et c'est ce que tu disais, Raph, ça a été considéré comme l'un des premiers romans policiers en Occident, mais un roman policier sans policier, c'est-à-dire que il y a beaucoup de mystères, et comme le spectateur et du coup le lecteur est dans les yeux d'Emma, on voit pas ce qui peut se passer et on découvre tout en même temps qu'elle. Et en fait, on se rend compte que depuis le début, on aurait pu voir des choses qu'on ne voit pas. Et c'était ce que l'autrice faisait aussi dans son livre à l'époque. C'est considéré comme son œuvre la plus aboutie. Et je trouve que le film l'air en bien. Après, je sais pas si c'est totalement littéral, parce qu'il y avait aussi tout un discours anti-esclavagisme dans le roman, qu'on retrouve moins dans le film. Enfin, j'ai pas souvenir qu'on en parle beaucoup dans le film. Peut-être par-ci, par-là, quelques... Tu vois, je pense que si elle s'engageait là-dedans, il fallait peut-être avoir un vrai propos, et du coup elle s'est dit bon, que le livre doit être vraiment énorme, et que pour un film, voilà, ça doit être compliqué, faut trouver une ligne, un fil rouge. Mais voilà, j'ai trouvé que les acteurs étaient très bons dans ce simili parodie. On rit un peu de ce qu'on peut voir à l'époque, et Binaï, je trouve son personnage est vraiment hilarant. J'ai un running gag que j'ai vraiment aimé. Et par contre, on a eu du mal à comprendre toutes les relations entre les personnages. Il y a tellement de noms, et oui, on a des liens parentaux, mais on comprend pas pourquoi vous avez des liens parentaux. Enfin, voilà. Mais après, c'est aussi certainement au cœur de l'histoire voulue dans cette histoire de mystère aussi. Hein. Et voilà, moi j'ai énormément aimé. En plus, je trouve que, enfin moi pour le coup, j'étais super intéressée par l'histoire. C'est passé très vite. J'étais, enfin, direct emballée. Et oui, et du coup, visuellement parlant, on sent que Autumn de Wilde est clairement photographe, parce que chaque plan est une photographie. C'est le cadrage, la composition d'image incroyable, les couleurs, j'ai adoré, les costumes sont magnifiques.
Et la photographie est très belle. Je regardais d'ailleurs, c'est pas elle qui a fait sa propre photographie, du coup. On en parlait, c'est Christopher Blouvelt. Et voilà, je trouve que les personnages s'incorporent bien dans les décors qui sont grandioses de cette vieille Angleterre bourgeoise. Et avec un personnage qui... à l'époque, c'était pas un roman qualifié de féministe parce que c'était les prémices, mais c'était quand même un roman engagé pour les femmes parce que c'est un personnage qui est indépendante sans les hommes. Et en gros, c'est ce que disent les critiques, c'est que c'est une femme qui peut tout faire sans avoir recours au mariage. C'est ça qui était beaucoup décrié à l'époque. Jane Austen, elle est engagée contre le mariage et le fait que les femmes, elles étaient, pour avoir une vie sociale et grandir socialement, elles étaient obligées de se marier. Et c'est ça qu'elle critiquait. Et là, c'est une femme, du coup, Emma, qui peut avoir tout ce qu'elle veut sans avoir recours au mariage. Et c'est ça qui était totalement mis en avant. Et je trouve que ça se ressent bien et que c'est agréable de voir un personnage comme ça. Et Harriet, elle est géniale aussi. Ah oui, Harriet, du coup, qui est un peu le soutien du personnage principal. Oui, parce que la relation entre les deux est géniale, je trouve. Cette relation. On a beaucoup plus de femmes mises en avant que les hommes, et sont un peu sur le côté pour l'histoire. Et du coup, je trouve ça très bien, cette émulation entre les personnages féminins. Mais je trouve qu'il y a vraiment pas mal de bons personnages masculins, vraiment assez... Mais moi, je suis triste d'être passé à côté du film en vous écoutant. Ah oui. Mais je mettrais quand même ce film là sur cette histoire de personnages masculins second plan, je le mettrais en parallèle avec Les Filles du Docteur Marsh. Mais le problème, genre, j'adore Les Filles du Docteur Marsh, je le trouve génial. Mais ces deux films, je trouve, il manque un peu de punk, il manque un peu de crade. C'est vrai qu'à comment dire, mais effectivement, par moment, t'as l'impression que c'est trop lisse et t'es enfermé dans ce truc, quoi. Effectivement. J'avais beaucoup aimé le travail qu'avait fait. Bon, c'était un film encore plus sur la royauté avec Emma Stone. Ah oui, Favorite. Favorite. Voilà. Je trouvais qu'il y avait un côté justement crade qui il y avait une patte. Il y avait une patte. Et on se disait, mais est-ce que ça serait pas vers là où il faudrait chercher un petit peu le film d'époque aujourd'hui. On revient finalement à une forme très classique dans ces films, vraiment classique. Oui, c'est vrai. Mais là, tu vois, je pense que Tom DeWine, bon, je trouve que c'est un très très bon premier film. Pour le coup, tu vois, s'engager à faire quelque chose avec une identité propre en adaptant vraiment un monstre. Ah oui, c'est un monstre de littérature. Oui, bien sûr, tu vois. Mais Les Filles du Docteur Marsh, c'est pareil. Effectivement, c'est vrai. Même choix. En vrai, Les Filles du Docteur Marsh, là où moi je trouve que c'est le meilleur film de l'année et j'adore l'écriture, c'est que en fait c'est au contraire, il y a un mindfuck, c'est que tout le film en fait c'est faux, on va dire, où tu crois ça, mais en fait à des moments le film est entre parenthèses. Où elle te dit on vous raconte ça mais en fait non. Et du coup j'aime beaucoup ça dans le film. Là où effectivement dans Emma, même là pour le coup c'est adapté plus littéral. J'avais envie que Anna Taylor-Joy à un moment je pars en laisse son costume et casse bien tout. Sûr. Parce que tu sens que dans sa tête ça rumine. Tu sens qu'elle a envie de tout casser. Ça rumine. Mais ça déjà parce tout le que temps, là je suis obligé de lire son nom parce que je l'ai pas en tête. Mais le choix de Anya Taylor-Joy comme actrice, c'est pas, moi je trouve que c'est pas un choix anodin. Oui, elle a oui, joué oui, dans elle a joué dans The Witch où elle jouait quand même une fille qui avait des pulsions à la Carrie très fort sexuellement où il y avait cette idée vrai. De la bête et du corps, tu vois. Tu parlais d'Emma Stone, mais je trouve qu'elles ont exactement le même genre de on rôle. En parlait hier. Ouais, c'est possible. Mais il y a un côté très provocation sexuelle des fois dans son regard mais dans ce que l'image peut raconter avec elle qui était tout le film de The Witch je trouve. Et donc en plus c'était déjà un film d'époque The Witch, elle portait déjà des costumes cette actrice donc elle savait faire ça. Et là je trouve qu'elle est plus corsetée, elle aurait pu aller plus loin dans ce truc là. Enfin je sais pas, il y a pas de scène un peu plus intime. Bah il y a un loupé là-dedans, je trouve. Mais c'est pas parce que j'avais envie de voir ça mais il y avait quelque chose, mais en fait cette actrice elle est capable de ça. On peut l'amener là et dans ce film là ça aurait peut-être donné quelque chose de vraiment fort. Il y a pas. C'est là où je trouve qu'il y a un espèce de parallèle à faire entre Pinocchio et Emma parce que c'est deux adaptations très proches des romans et des originels. Et je trouve que là où Emma est peut-être supérieure, c'est que je trouve qu'il y a un propos souvent dans la mise en scène ou en tout cas dans la représentation des femmes ou dans le cadrage et tout ça. Je trouve qu'il y a un vrai discours. Là où je trouve que c'est des paillettes dans Pinocchio, tu vois. Ouais. Et ce qui fait la vraie différence entre les deux, ce qui fait que celui-ci je l'ai plus apprécié alors que Pinocchio est de qualité. Mais je crois qu'en plus ce film il y a un vrai public pour ça. On l'a bien vu avec la série. Downton Abbey, ça ressemble un peu finalement. C'est le même public, je pense qu'ils se trompent pas hein, quand ils font ce film et qu'ils vont chercher cette réalisatrice. Et c'est, il y
y a des gens pour ça, j'en fais partie, je suis complètement fan. Ah oui. Mais je pense que c'est vraiment un genre, tu vois, dans ce truc-là. Ah ouais. C'est deux niches, je crois. C'est un must. Et c'est vrai que c'est un genre qui est assez guindé, et si tu regardes un peu le film du coin de l'œil ou en diagonale, tu te dis Non, faut suivre par contre, sinon. Finalement a rien d'original ou quoi, mais en tout cas, moi je connaissais pas cette histoire, donc c'est vrai que si je regarde Clueless, bon, qui est moderne, une version moderne du film ou une autre adaptation, j'aurais l'impression de voir rien de plus, ce qui est dommage. Mais en tout cas, pour découvrir l'histoire, je trouve que Emma de Autumn the Wild, donc qui est sortie début avril, c'est une bonne porte d'entrée. Oui, Je disais que t'as totalement raison en disant que c'est un film policier, parce que je trouve que là, on a le résultat finalement de l'enquête, et si on veut s'en renseigner plus, on regarde l'enquête et on lit le livre, tu vois. Oui, et ça pousse à revoir ou à relire. Et c'est ce qu'il disait, c'est ce que les critiques de l'époque disaient, c'est que en général, on se rend compte qu'il y a un mystère. Et on découvre son élucidation qu'à la fin. Et oui, c'est vrai, en fait. Et en regardant le film, tu te rends compte à la fin. Mais oui, en fait, tout le long, il y avait un mystère qu'on n'a pas su élucider du tout, et voilà. Et je voulais juste souligner le casting qui est... j'ai bien aimé qu'ils aient repris certains acteurs de Sex Education, notamment Connor Swindells, et je ne me rappelle plus du nom de l'autre actrice... Tanya Reynolds. Connor, c'est celui qui joue Adam. Et Tanya, qui joue, je ne sais plus son nom dans Sex Education, mais elle adore les extraterrestres, en tout cas. Voilà. Et, je trouve que c'est des acteurs, j'aime beaucoup ces acteurs, et surtout Tanya Reynolds, je la trouve hilarante. Ah oui, c'est vrai qu'elle est très, très géniale, drôle. Cette actrice, et le personnage est quand très, très drôle. Quand elle arrive en fin de film, quasiment. Elle est incroyable, et j'aime bien, j'ai l'impression que le casting anglais, le vivier de nouveaux acteurs anglais se renouvelle, et c'est toujours agréable de voir ça, mais Rupert Graves, notamment, il faut le noter, inspecteur Lestrade de Sherlock. Ah, qui joue un bon personnage. J'étais très heureuse de le voir. Très bien, mais en tout cas, un film qui fait débat, mais en tout cas qui est recommandé finalement. Oui. En général, même si bon. Non, mais je le recommande, je pense que dans son genre, si on est affiné, on aime ce genre de film, c'est un très bon film à voir. Tout à fait. On va passer au dernier film de la soirée, donc le quatrième, The Hunt de Craig Zobel. Bande annonce. Monsieur, je vous sers une coupe de champagne. Parfait. Il y en a un qui est réveillé. Mettez-le derrière avec les autres. Homes in the shadows, who's ready? Tout ça. Je sais pas m'en servir. Tu vises, tu tires. Tout le monde à terre! Je sais ce que c'est. C'est le Manor Gate. Tous les ans, une élite friquée kidnappe des gens normaux comme nous. Où est-ce qu'ils vous ont enlevé? Dans le Wyoming. À Orlando. Dans le Mississippi. Ce n'est pas une plaisanterie. Ils chassent des êtres humains pour le plaisir. Ce ne sont pas des êtres humains. Vous désirez ? On est dans quel état, ici ? En principe, on sait où on est. Les principes, c'est pas mon truc. Vous êtes dans le bel état de l'Arkansas, ma belle. Vous avez une autre question ? Comment t'as su qu'elle mentait ? Parce que tout le monde ment. Ils nous ont pas choisis par hasard. Je vais pas me laisser faire. À la guerre comme à la guerre. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce coup-ci, ils ont pas choisi la bonne personne. Game of survival. Ils vont vous massacrer. On verra. This is a wild game of survival. C'était la bande-annonce de The Hunt de Craig Zobel, donc un film sorti le 3 avril 2020 en VOD. Alors le résumé, des inconnus se réveillent bâillonnés en pleine nature, ils découvrent rapidement qu'ils sont les candidats d'une chasse à l'homme grandeur nature, orchestrée par des riches américains, qui ne désirent qu'une seule chose, chasser et abattre
par snobisme ou mépris de classe des citoyens pauvres issus d'états ruraux comme des animaux. Mais cette partie dégénère donc avec l'une des proies, Crystal, qui décide de lutter pour sa vie en tuant les chasseurs. Donc c'est un film dans lequel on retrouve donc dans le rôle de Crystal Betty Gilpin, qui était une actrice de série, je sais plus ce qu'elle avait fait. Mais Glow, en tout cas. Il me semble. Exactement, Glow. On retrouve exactement aussi Emma Roberts, Hilary Swank donc dans le rôle de Athena. C'est aussi un film qui avait fait parler puisque Trump avait voulu interdire le film Pour racisme anti-blanc apparemment. Et finalement il avait été repoussé pour la production parce qu'il y avait eu une tuerie de masse à ce moment-là. Marie, qu'as-tu pensé de ce film? C'était très divertissant. Première chose que je dirais par rapport à ce film. Là, j'étais très curieuse parce que c'est Damon Lindelof au scénario et j'aime énormément ce qu'il fait, notamment en série. On parlait de Lost, The Leftovers, Watchmen. Enfin, c'est des séries que je porte énormément dans mon cœur. Et j'aime beaucoup ce qu'il écrit et sa manière d'écrire. Donc, j'étais curieuse. Le principe, bon, c'est le principe de chasse à l'homme, hein, clairement. Ça m'a fait penser à Bacurao qu'on avait vu à Cannes, je sais plus quelle année. Et 2019. Voilà. Et j'aime bien ce principe, surtout quand ça parle de lutte des classes, de mépris, de questions sociétales, tout ça. Visuellement, c'était assez bien. Il y a quelques scènes qui moi me font sauter parce que je suis un peu sensible, mais mais sinon ça va. Je regrette juste que ça aille très vite. Enfin, j'essaie de pas spoiler, mais l'histoire va très vite au niveau des personnages, si je puis dire, et on arrive très vite sur la fin en fait. Mmh. Et j'aurais aimé que ça prenne un peu plus son temps de ce côté-là, au niveau des histoires de tous les personnages. Et j'ai adoré l'actrice principale du coup, Betty Gilpin. Uh-huh. Et Hilary Swank aussi. Enfin, les deux personnages, j'ai adoré leur construction et c'est vraiment jouissif de les voir à l'écran, surtout Betty Gilpin d'avoir joué, je la trouve incroyable, elle a un faciès totalement on sait pas du tout ce qu'elle pense, on sait pas du tout ce qu'elle vit dans sa tête et je trouve ça incroyable comment elle joue tout le long du film parce que c'est vraiment elle casse la gueule de tout le monde, c'est incroyable, et elle dit rien, elle pense rien, et je trouve ça super drôle, et en même temps, super impressionnant. Mais j'ai juste été, je me pose des questions, en fait, sur tous les messages du film. C'est un film qui porte tellement de messages, qui critique tellement de choses à la fois, que tu sais plus c'est quoi le message principal, et du coup, je sais pas si c'est juste, on critique tout le monde parce que tout le monde doit prendre pour son grade, ou si derrière il y a une réelle volonté, de mettre à bas certains idéaux, certaines questions de société pour dire l'inverse, parce que il y a des personnages qui sont racistes, homophobes, tout ce que tu veux, du coup on les déteste mais ils se font tuer et tu te dis mais c'est pas bien de tuer des gens quand même, alors du coup c'est qui que je dois croire, c'est à côté avec qui que je dois être, et du coup je me pose toujours des questions sur les intentions du film et sur ce que je dois comprendre ou pas. Je sais que la question principale c'est quand même la lutte des classes, c'est quand même le mépris des classes supérieures envers les classes inférieures, mais quand même chacune de ces classes a des particularités qu'on déteste ou qu'on aime, et du coup je sais pas sur quoi penser, voilà, et ça me stresse encore aujourd'hui. Oui, il y a une balance morale assez mais il y a pas fait... de balance morale, il y a si, il y a des moments où, enfin genre dans notre tête on se dit mais en fait le film a ce parti pris là, mais en fait non, ouais. on sait pas. Du coup, on comprend pourquoi la perruque de Donald Trump s'est dressée sur sa tête, puisque finalement oui. Finalement, bon, c'est un film qui critique aussi voilà les l'état en place, même si en vérité l'élite sociale, il critique plus là où je trouve que finalement il pourrait avoir le même avis que certains personnages du film, c'est que le personnage d'Hilary Swank, qui est du coup la chef du château de Cannes. De l'élite. C'est le boss final, quoi. Ouais, le voilà. Boss final, exactement. C'est vrai que ça fait très jeu vidéo. Un côté très ludique dans l'écriture et le montage du film. Mais c'est Bill de Kill Bill. Hein, c'est ça. Parce que même la scène finale, c'est Kill Bill. C'est ça. C'est vrai. Dans sa forme. C'est vrai qu'il y a un côté très Kill Bill, effectivement. Et moi, où vraiment j'adore le film, c'est qu'il a cette dualité... De morale tout le temps, genre t'as ces personnages là, t'en as rien à faire en fait s'ils meurent finalement, parce que tu dis mais j'ai pas du tout, j'ai de la pitié pour eux mais j'ai pas du tout de tendresse pour eux, tu vois, et comme c'est personnages vraiment dans la réalité, c'est pas du tout la même chose, et du coup le film je pense a aussi un propos sur la
sur ce qu'est-ce qui est fiction ou pas, parce que là tu dis clairement que finalement en fiction tu choisis tes personnages selon ce qu'ils pensent, et il y a des personnages tu peux les éliminer, c'est pas très grave. Et moi j'ai beaucoup aimé ce film, et je sais pas vraiment quoi en dire, parce que bon, c'est un film Blumhouse qui est assez direct. Je trouve que c'est vraiment un film frontal. Ouais. Là, on n'a pas du tout de finesse, en tout cas, je trouve, dans l'écriture. Là où, c'est pas forcément critique, mais en tout cas, je trouve que le film est assez satisfaisant pour ça. On se pose devant et on en est aspiré par l'histoire qui compte. Parce que je trouve que l'évolution du personnage et la finalité, comme tu le dis, par le boss final, est quelque chose de très satisfaisant au final. Et en tout cas, moi, c'est un film que je recommande énormément pour ça. C'est une grosse surprise. Et Adrien, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas trop comment dire, bizarrement. J'aurais plein de choses à dire sur ce film. Déjà, je te remercie, Raphaël, parce que sans toi, j'aurais jamais vu ce film. Et franchement, non, je connaissais pas du tout. J'avais pas suivi cette histoire. J'ai appris en recherchant tout ça, ce truc de Donald Trump, machin. Bon, moi, j'adore les films d'horreur. J'adore le parodie gore. Donc finalement, je suis d'accord. C'est hyper divertissement. Il y avait une place à prendre entre Battle Royale, Hunger Games, Kill Bill et Parasite. Et le film le fait. C'est très étonnant, mais le film le fait. Quand tu parles de balance morale, effectivement, il y en a une, mais quand même, moi, j'ai cette réflexion de dire que finalement, les grands méchants de cette histoire sont des gens qui ont quand même, qui sont véganes, qui sont tolérants envers. Donc, je pense que quand même, ce film est très chelou en fait sur ses positions politiques, même si ça commence comme une journaliste TV à la Fox News, tu vois, qui se fait trucider la gueule carrément, tu vois. Donc Fox News, enfin, tu vois, t'as l'impression qu'il y a une critique comme ça, et puis tout d'un coup, tu te rends compte que finalement, t'es dans le camp des complotistes quand même, et que ces gens-là, ils se font tuer par des gens qui se voudraient tolérants, même s'ils font une chasse à l'homme. Enfin, tout ça n'est pas cohérent, hein, déjà. Mais je pense, en fait, je trouve que le film, du coup, est là-dessus, parce que il y a forcément ces personnes, enfin, je suis désolé, mais si Jeff Bezos était vegan, ça serait possible. Parce qu'il y a forcément ce truc où Hitler était végétarien. Tu vois ce que je veux dire? Où t'as pas forcément. Bien sûr. Cette dualité de personnage existe, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a ça, et j'ai envie de te dire, il y a quand même, c'est ce film, il y a pas beaucoup de représentations de communautés noires, lesbiennes, mais pour ça, Mais c'est le film qui te fait, qui te dit quand même, ah là là, qui fait des dialogues en référence au quota et à respecter à Hollywood. Et donc il dit, bon, il se dédouane un peu en faisant ça, mais en fait, il joue pas le jeu, clairement. Parce que c'est quand même, ils sont tous très blancs, ils sont tous très blonds, tous très bien habillés. Quand ils sont pas dans des grands parcs à des milliards, ils sont dans des holdings complètement richouilles. C'est vrai que la scène de fin, elle est quand même assez badass. Ça vaut pas la scène de Kill Bill, vous savez, quand Béatrice Kiddo va tuer la mère, il y a la fille qui rentre de l'école, enfin bref, il y a toute une scène de combat au couteau comme ça, et donc tu revois Kill Bill, mais t'as tout cet dialogue de confrontation entre l'héroïne et le grand méchant. Là aussi, c'est du Tarantino, c'est-à-dire les dialogues qui durent 10 ans, mais chez Tarantino, il y a un vrai suspense. Il est tout de suite désamorcé par moi, on se fout sur la gueule. Moi, je le recommande pour son côté divertissant, voilà, mais après, je mets vraiment des doutes, hein, politiquement sur ce film. Je pense que quand même, c'est un film qui se veut ouvert, mais qui veut pas se séparer de son public texan qui aime son fusil, parce que quelle vénération des armes dans ce film. Dès le début, on ouvre un gros cadeau en carton où il y a plein d'armes. C'est quand même jubilatoire de filmer ça. Et le mec, il adore filmer des armes dans ce film. Il y a plus de balles dans la mitraillette, mais si, il y en a encore une, tu vois. Il y a des fusils par terre, de partout. Et puis, ils se font tous tuer d'une arme différente. C'est le sniper, c'est le couteau américain. Ouais. Il y a tout ça, donc je sais pas trop le discours. Enfin, moi, le discours du film, j'y crois pas trop politiquement, en tout cas, à ses intentions. Et voilà, et comme je disais, pour moi, les vraies intentions, c'est de faire un film entre Battle Royale, Tarantino. Oui. Enfin, je pense que c'est vraiment des intentions de genre. Oui, c'est vrai mais le problème, c'est que comme c'est un film un peu décérébré dans l'image, quand on te dit, finalement, au contraire, on a vraiment une prise de position, parce que, bon, le film est engagé, hein, même... Mais je comprends qu'il y a des maladresses, mais visiblement... Comme c'est Damon Lindelof, et je sais vraiment, dans Watchmen. C'est quelqu'un engagé, c'est ça, tu vois. Dans Watchmen, il a totalement un propos différent, en tout cas, sur le racisme. Parce que derrière, il y a HBO, tu vois. C'est des gens, HBO, c'est des gens qui ont quand même une éthique. Là, ça reste universel, hein.
Oui, oui, c'est vrai, probablement. Ça, c'est... Oui, mais Blumhouse, tu vois, ils font Get Out, ils ont donné... Ils font Get Out, c'est sûr. Ils ont ouvert une nouvelle cinéphilie dans leur cinéma il y a quelques années. Puis il y a Universal, quand même, bon, a pas sorti le film à cause de ça, puis Donald Trump et cette critique, évidemment, mais c'est vrai que bizarrement, cette critique est pas frontale, alors que le film est très frontal dans l'action, dans le cynisme. Il y a énormément de scènes drôles là pour le coup. Je trouve que c'est un divertissement total pour le coup, mais c'est vrai que il pose énormément de questions sans réponse, ce qui peut-être est un défaut. C'est dans certains cas c'est une qualité des films parce que ça donne lieu au fantasme. Là il en faut pas en fait. Enfin vraiment, on aime ton film ou on l'aime pas. Mais c'est ça. Et moi j'ai peur que ça tombe dans l'écueil du on peut plus rien dire. Ah oui. Parce que quand tu comprends la raison de pourquoi ça se passe. T'as l'impression que c'est un propos sur... en fait, en plus, elle le dit, là, il sent qu'à la fin, enfin, je veux pas le dire, mais genre, on peut plus rien dire maintenant sans que ce soit mal pris, et du coup, bah, ça donne lieu à ça, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça faisait un peu cet écueil-là, enfin, ça me gênait un peu. Oui, mais, vas-y. Dans les maladresses du film, quand même, il y a tout ce que tu viens de dire là, mais il y a aussi des moments de cinéma complètement ratés. Je veux dire, la scène avec l'armée, là, avec ses généraux, c'est complètement caricatural. Là aussi, on n'a plus le droit de faire ça en 2020. C'est lourd, quoi. C'est lourd. Le mec, je peux avoir une cigarette. Avec son gros accent, j'en peux plus de ça. on sert la soupe, c'est du bouilli. Enfin, c'est complètement revu et corrigé. Et puis, là encore, le personnage s'appelle Crystal, tu vois. Oui, mais Crystal. Comme dans Forte, le personnage principal s'appelle Nour, ça veut dire lumière, tu vois, en je sais plus quelle langue, en allemand, je crois. C'est un peu surécrit, quoi. Mais en vérité, moi, je trouve que le fil d'Ariane de ce bon sens et peut-être qui nous permet d'avoir la tête sur les épaules et en tout cas de pas non plus prendre parti pour ceux qui votent Trump ou en contraire, voilà, c'est Betty Gilpin et Crystal parce que au final, elle a rien à faire là-dedans. Tu vois, enfin, elle apparaît dans cette histoire et finalement, elle a pas d'engagement, elle est pas critiquable finalement. Sauf que elle défonce des gens. On connaît pas vraiment son histoire non plus. On connaît pas son histoire, mais ce qui permet de fantasmer peut-être une bonne morale. Tu vois ce que je veux dire? On a ce fantasme de finalement, si c'est le fil d'Ariane de cette histoire, c'est elle qui a la vérité et du coup on la suit parce que c'est une vengeance personnelle. En fait, c'est un film de vengeance. Mais qui deviennent une vengeance sociale et alors que finalement c'est une vengeance personnelle. Et je trouve que le film est enfin le cul vraiment entre deux chaises parce qu'on sait pas si c'est vengeance sociale, vengeance personnelle du personnage. Enfin, non mais tout ça c'est pas trop. C'est en ça où je trouve que c'est du cinéma de Bong Joon-ho. C'est le côté social, il est très mêlé au côté affectif des personnages. Mais t'as quand même, enfin, excusez-moi, mais ce grand dialogue final où elles sont par terre, là, t'as lu George Orwell. C'est d'une façon manichéenne de voir les bourgeois et de voir les pauvres. Il y a des pauvres qui lisent George Orwell, et c'est pour ça que c'est des super-héros, tu vois. Non, en fait, si t'as le droit d'être pauvre, t'as pas avoir lu George Orwell, et tu peux être un super-héros, et tu peux faire enfin, Ken Loach arrive très bien à faire ça, tu vois, à faire des films complètement existentialistes, complètement, ça renvoie, pour la fin, sur une self-made woman qui, c'est pas quelqu'un qui, après avoir tout combattu, revient à son rythme normal, tu vois. On montre vraiment que elle part sur un autre projet où elle a envie de conquérir aussi, tu vois, la société, quoi. Et le film, si je peux finir peut-être moi là-dessus, c'est que il y a des trucs, je dis putain, c'est pas mal, ils auraient dû en faire plus là-dessus, sur tout cet aspect poupée russe. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le personnage de Don qui joue cette espèce de vieux monsieur qui va être le complice de Crystal. Et à un moment donné, il y a Athéna qui l'appelle au téléphone et qui connaît son nom et qui fait croire que c'est un complice. Et donc tu dis, il y a un effet de, on est brouillé, qu'on sait plus qui joue le jeu, machin. Et je trouve que le film va pas assez là-dedans. Ou alors quand c'est un peu trop. C'est un film d'une heure trente. C'est un film d'une heure trente. Il y a évidemment un discours sur l'image, parce qu'on est quand même dans la société veut ça, mais en même temps, je trouve que voilà, cette scène met totalement le doigt là-dessus. C'est qu'on sait pas forcément l'image qu'ont les personnages là où le méchant de l'histoire veut mettre une image, une étiquette sur tous les personnages. C'est donc vrai. Toi, t'es le raciste du Texas. Toi, t'es le complotiste, du Minnesota. Enfin, j'en sais rien.
Voilà. Marie, tu veux terminer sur ce film? Tout a été dit, hein, vraiment. Très bien. Je bon, bah. Pas des questions. Et juste, oui. C'est quand même l'un des seuls films qui s'autorise une scène de flashback en plein milieu du. Oui, effectivement. De la grande scène finale, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ça, c'est quand même culotté. C'est quoi. Un truc que Tarantino aurait pu faire, tu vois. Oui, il aurait pu faire ça, effectivement. Il mélange bien la narration, mais pour un film comme ça aussi, aussi direct. Direct, tu vois, je trouvais ça assez culotté. La petite pause. Oui, parce qu'on le voit jamais venir. Mais en tout cas, ça donne quelques explications, même si pas assez, à mon sens. Oui. On va passer au top donc de la semaine. Vous allez me dire votre film préféré de cette sélection. On commence par toi, Marie. Donc, quel est ton film que tu recommandes cette semaine? C'est Emma. C'est Emma? C'est Emma. On a pas vu ça. C'est Emma. Emma de Tom De Wilde. Oui. Adrien? Moi, c'est Pinocchio de Mathieu Garonne. Et donc, moi, c'était The Hunt, mais c'est vrai que... Évidemment, il y a des disparates. Ouais, ouais, il y a peu à dire en tout cas. Mais comme vous avez mis The Hunt en second, tous les deux, et que moi je l'ai mis en premier, c'est le film qu'on recommande le plus cette semaine avec égalité en second, Pinocchio et Emma. En tout cas, je pense que voir ces trois films, c'est aussi revenir dans une actualité du cinéma. C'est et, vrai. Et c'est donc, vrai. On vous le recommande absolument. Dans tous les cas, puisque voilà, c'est des films qui font parler et qui ont énormément de personnalité. Donc voilà, c'est le film conseillé par ce cinéma show. On passe à ton quiz, Marie. Jingle. The game is on. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, vraiment. Anyway, lead on. Allons-y. Alors, aujourd'hui, un quiz. Vous allez être chacun pour votre propre peau, hein, j'ai envie de dire. Pour notre paroisse. Pour un peu comme dans The Hunt, hein, finalement. Uh-huh. Alors, on commence avec le titre du quiz, que vous allez devoir deviner, qui est un jeu de mots, du coup, avec le mot quiz, et un titre d'un des films de l'émission. Je les rappelle, Emma, Pinocchio, The Hunt et Fort. Moi, je dirais Pinocquiz. C'est ce que j'aurais fait en vrai. Pinot Quiz, ouais, bah ouais. Tu vois, c'est ce qu'il dit. The Quiz. Hein, on est pas dans la même équipe, mais voilà. Pour mais ça moi, discute. Je vais dire The Quiz pour le challenge. Pour le challenge. Et là, c'était Pinot Quiz. Ouais, effectivement. En fait, c'était que des titres à un seul mot. Mais oui, c'était oui, le seul où je pouvais faire un jeu de mots, clairement. Ouais. Donc, ça fait un point pour Raph, ton premier point. On passe à la musique de film. Dans quelle heure peut-on entendre cette chanson? Chanson de musique. Pinocchio. Pinocchio. On dirait trop. Emma, alors? Non. Ça me dit un c'est en rapport avec les films de la semaine, ouais. Mais c'est pas un film de la semaine. La vie est belle. Oui. Ah, d'accord. Sa musique me dit tellement un truc, c'était un film connu. Effectivement, La vie est belle avec et deux Roberto Benigni. Exact, Palme d'Or 96. Voilà, donc le rapport a été avec Pinocchio, hein, évidemment. C'est fait un point en plus pour Raph, tu passes à deux points. En or ou en bois, retrouverez les vraies infos parmi ces propositions. Donc, vrai ou faux, première info, à cause du coronavirus, Nicolas Salt a été remplacé par Kevin Bacon dans Mission Impossible 7. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais je sais qu'il a été remplacé, mais je sais pas l'acteur. Je dirais oui. Moi, j'irais oui aussi. Eh bien, c'est faux. Oh non. La pandémie aurait bien bouleversé la loi de l'acteur, déjà engagé sur le tournage de la deuxième saison de la série The Great, mais c'est par Eze Morales que Nicolas Salt a été remplacé. Un changement d'acteur qui suscite l'étonnement, compte tenu de la différence d'âge des deux comédiens. Nicolas Salt a 30 ans et Eze Morales 57. Donc, 0 points pour personne, c'est très bien. En 96, la Palme d'Or, c'était secret et mensonge. Alors, c'était pas le 4, c'est peut-être 93. Voilà, ça n'a rien à voir. Vas-y, continue. Excuse. Deuxième info, Edgar Wright, lors d'un live spécial fêtant les 10 ans de Scott Pilgrim, a révélé que Quentin Tarantino l'avait aidé pour la scène d'ouverture, que le film fera son grand retour en salle prochainement, et que Bill Hader était le narrateur du film. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Pour le narrateur, je suis pas sûr. Si, pour le narrateur, il me semble que si, moi j'ai vu un truc avec le narrateur. Oui, j'ai vu un truc avec le narrateur, mais je sais pas si c'est Bill Hader, tu vois. Mais le truc, c'est moi, que... je dirais tout est vrai. Oui, tout est vrai, ouais. Allez. Effectivement, tout est vrai. Effectivement. Pour l'instant, impossible de savoir si ce retour s'effectuera en dehors des USA en salle, mais beaucoup de fans l'attendent. Ce qui fait un point pour chacun, tu passes à 3 Raphaël et un point pour Adrien. Yes. Troisième info. 98, la Palme d'Or, excusez-moi. À la suite de l'annonce de la Snyder Cut de Justice League, qui sera diffusée sur HBO Max, de nombreux fans se sont filmés, détruisant ou brûlant leur version DVD du film terminé par Joss Whedon. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Moi, je dirais la version Blu-ray. Oui, ouais. Non, je rigole. C'est vrai. Je ne sais pas quoi dire là-dessus, si ce n'est ne le faites pas, ça pollue énormément. Ouais, vendez-le. T'avais dit faux, Raphaël? T'avais dit vrai? Non, je dividerai. Très bien. Tu passes à 4, Adrien à 2. Yes. Pauvre Joss Whedon, hein. J'ai beaucoup d'affection pour cet homme. Dernière info, une palme dog d'honneur a été remise à Mushu, le célèbre carlin de la saga Men in Black, pour son travail dans le cinéma. Il avait notamment joué dans Lovely Bones, Créature Céleste ou encore Mr. Turner. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? D'honneur, attends, ouais, je dirais que c'est vrai. Ouais, je dirais faux. Tu dis Raphaël faux, Adrien ouais, vrai ouais. C'est faux. Ah. Absolument pas, cette palme dog d'honneur a été remise à Huggy, le célèbre chien de The Artist, décédé en 2015, qui avait déjà reçu une palme dog par ailleurs pour ses 20 ans de bons et loyaux services dans le cinéma. La cérémonie s'est déroulée de manière virtuelle et c'est Dash, la doublure de Huggy, qui a reçu le collier. Sinon, Mushu, c'est bien le carlin de Men in Black, c'est Frank, mais c'est tout. Les chiens dans les autres films, c'est soit ceux de Peter Jackson, soit des chiens inconnus. Donc, un point pour... Raph, très très fort. Mais je sais pas, je suis vraiment la palme d'oc tous les deux. Non, depuis que Tarantino l'a vu l'an dernier, je me suis intéressé à cette. On passe au qui a dit, trouver l'auteur de cette citation. Je commence. Nous avons parlé de tous les petits détails qui pourraient rendre une telle créature réaliste, de la texture de sa peau à la façon dont s'ouvre sa bouche. Non. En passant par sa façon de se nourrir dans le sable, cela a représenté une année de travail côté design. Denis Villeneuve. Oui. Ah, pour trouver la forme parfaite ayant l'air suffisamment préhistorique. Denis Villeneuve à propos de la conception des vers des sables pour Dune. Tu passes à 6, Raphaël. On passe éclaté. À la Sherlock Holmes, qui vaut 3 points. Je le rappelle. Je vais énoncer un crime, entre guillemets, et vous allez devoir retrouver l'auteur de ce crime. Question à la rapidité. J'ai été accusée par un journaliste qui a écrit un livre sur moi d'avoir énormément menti dans une nouvelle série qui raconte une partie de ma vie. Stéphane Bourgoin, non, j'ai... Non, c'est pas Stéphane Bourgoin. Ah, si, je sais. Bah, en fait, je sais selon le contexte. Michael Jordan? Absolument, Michael Jordan. Parce que je sais qu'il y a une série sur lui en ce moment. Oui, The Last Dance. Il a été accusé par Sam Smith, qui est du coup auteur de The Jordan Rules, de raconter pas mal de mensonges dans The Last Dance, qui est sorti sur Netflix pendant le confinement. Il a déclaré notamment, c'est comme quand vous allez voir un film qui est inspiré d'une histoire réelle. Là, c'est pareil, c'est inspiré d'une histoire réelle, mais ce n'est pas l'histoire. Et du coup, voilà, je ne sais pas si Michael Jordan a réagi à c'est ça. C'est une super pub pour Netflix, hein, de faire une série pas du tout fictive sur... sur un mec c'est comme bien. Ça, alors que franchement, c'est une légende normalement. Ouais. Mais en fait, il est accusé de bien enjoliver la vérité alors qu'il n'était pas si incroyable, enfin, gentil que ça, sur certaines choses. Enfin, voilà. J'attends le film sur Zidane. En tout cas, tu passes à 9 grâce à Michael Jordan. Yes. Et du coup, ça me permet de faire la transition pour le quiz spécial en parlant de The Last Dance qui est sorti pendant le confinement, puisque c'est un quiz spécial film et série sorti pendant le confinement. Ah. Tout simplement. Je crois que je vais être très mauvais là-dessus. Mais en même temps, ça a été assez difficile. Enfin, c'est des films qu'on n'a pas vu du coup. Pour la plupart. Ah, c'est... ah si, ça va être dans. Ça va être que vous n'en avez pas entendu parler. Ouais, ouais, ouais. Ça va. À me voir. La scène, là, ça va être. On commence avec une réplique, un film. Dans quel film peut-on entendre cette réplique qui arrive tout de suite? Stand into a lot of windows. Okay. I've seen happy families, supportive families, functional families. The best stories are always in the windows where nobody looks. Now, look down. There they are, hidden. I'm the narrator, by the way. And a cat. Get over again. This family story is weird, you know, hidden away from the modern world in their old-fashioned home. I'll show you around. Fantastic mouse hunting here.
All us old fashioned. I mean they go back a long way. A family tradition, invention, creativity, ça me un truc. And courage. Their greatness passed down like their magnificent facial hair from generation to generation to generation. Until this one. Ah, les Willoughby. Exactement. Les Willoughby, c'est la voix de Ricky Gervais. Qui joue le narrateur. Qui est je savais que c'était un anglais, mais là, de là, vous voyez Ricky Gervais. Absolument, la famille Willoughby, du coup, qui est sortie sur Netflix pendant le confinement. J'ai entendu Willoughby. J'ai pas vu ça. Et oui, et du coup, l'ambiance, si on aurait pu aider, ça fait très ambiance d'une animation. Mais... Mmh. J'ai failli dire Tom Hanks parce qu'il y a eu Tom Hanks là. Ouais, mais oui. J'ai regardé un film de lui aussi hier soir j'ai pas entendu ça. Ouais. Ah bah ouais. Et du coup, voilà, c'était Ricky Gervais. Donc, la famille Willoughby de Chris Pearn qui était sortie le 22 avril. Tu es à 10, Raphaël. On passe à Merci le Québec. Je vous donne. Vous fait éclater. Un titre québécois. Vous me retrouvez okay. Le titre français. Si je vous dis Bonjour voisin. C'est un film américain. Oui. C'est avec Bruce Willis, non? Non. Bonjour voisin. C'est également sorti pendant le confinement. Ah. En avril. Je sais, mais en fait, du coup, si je... Parce que j'essaye de retrouver le nom. Un ami extraordinaire. Bah du coup, c'est pas le titre français. Mais c'était le titre d'exploitation aux Oscars, mais c'est pas le titre français. Ah merde. Bah tu l'as vu hier, je te le donne. Hop, dans la... Tu l'as vu hier, ce film. C'est avec Tom Hanks. Non, mais c'est... oui, c'est... C'est quoi le titre français? Je sais même pas. Parce que pour moi, c'est un ami extraordinaire, donc... Bah, non, c'est provisoire ça, pour ouais. Les Oscars. Ouais. Ah, je sais plus. Mais je l'ai pas vu hier. Moi, j'ai regardé... Seul au monde, un truc. Ah, d'accord, ok. J'ai cru que t'avais vu un nouveau film avec. Ouais, non, mais c'est, j'ai pas vu. Attends. J'ai pas vu le dernier qu'il a fait HBO, pour Amazon Prime. Ouais. Mais. C'est sur le mec là, qui fait une série. Ouais, ouais. C'est avec son une voisin, émission éducative. Là. C'est ça. Et exactement. Ça s'appelle Monsieur Willy ou un truc comme ça, non? Non, mais il y a bien le nom du Monsieur. Mec dans le titre et il y a bien Monsieur aussi. C'est monsieur... Bah c'est le mec, là. C'est pas... En fait, le titre provisoire était pas loin du titre français officiel. Monsieur Machin, un ami extraordinaire? Non. Faut que t'inverse. Faut inverser. Un ami extraordinaire, monsieur... Je veux bien son nom. Je sais pas. J'ai plus son nom. Je sais plus, moi non plus. Alors, ça commence par l'extraordinaire et ça finit par Mr. Rogers. L'extraordinaire Mr. Rogers de Maria Lélé. Coup, bah, je suis désolée, il n'y a pas de points. Non, pas de points, c'est pas grave. Voilà. Non, mais on est nul. Moi, je suis nul. Hein. Toi, t'as 10 points. Ouais, mais c'est parce que je vais plus vite que toi. Oui, bien sûr. On passe à la nouvelle question qu'on avait instaurée il n'y a pas très longtemps. Les films qui baisent ensemble. Principe d'Adrien Méniel. Donc, vous connaissez du coup le concept de cette question. J'imagine. Vas-y, dis-moi, je sais pas. En gros, je vais lire un pitch de film qui lit deux pitchs de films qui existent déjà. Il va falloir me retrouver le faux titre du film. Exemple. Si je dis « Enfermé par un démon vengeur, un acteur quadragénaire veut prouver au monde qu'il est toujours dans le coup en sortant d'Asgard », je mélange Thor Ragnarok et Rock'n'Roll, ce qui donne Thor Ragnarok'n'Roll. Ok. J'aime beaucoup le principe. Merci Adrien Méniel, du coup. Yes. Et du coup, là, c'est spécial films sortis en salle qui ont bénéficié pendant le confinement d'une sortie VOD accélérée. Okay. Ce sont deux films qui sont sortis en salle juste avant le confinement. Okay. Ok. Je commence. À la fin du 19e siècle, un couple de malignes personnes se retrouve dans une situation pas très maligne. Alors qu'ils veulent acheter une nouvelle maison pour installer un labo et mener à bien leurs recherches scientifiques, ils se retrouvent piégés par un couple d'agents immobiliers pas très nets dans un quartier digne des films de Tim Burton, sans espoir de s'en échapper. Alors il y a un truc avec Vivarium. Ouais, ouais. Et l'autre. Ah, mais je l'ai, mais je sais plus le titre. Non. Je recommence si vous voulez. Ouais, je veux bien. À la fin du 19e siècle, un couple de malignes personnes se retrouve dans une situation pas très maligne. Alors qu'ils veulent acheter une nouvelle maison pour installer un labo et mener à bien leurs recherches scientifiques, ils se retrouvent piégés par un groupe d'agents immobiliers pas très nets dans un quartier digne des films de Tim Burton, sans espoir de s'en échapper. J'ai l'autre film, mais je sais pas le titre. J'ai la réelle et tout. Donc, le 19e siècle. C'est la merde. 19e, recherche scientifique, labo, ça devrait vous... Je sais le film, mais je sais pas le titre. C'est...
c'est Marie Curie et ouais, voilà, ça, Vivarium. Ouais, c'est Marjane Sarasapi, mais je l'ai pas, j'ai pas le titre. Donc, le titre du film de Marie Curie, plus le film de Vivarium, ça devrait vous donner le titre du film complet. Radioactivarium. Pas mal. Presque. Les deux films doivent être entiers. Radioactive Vivarium. Voilà, exactement. Radioactive j'avais pas Vivarium. Radioactive, un point pour Adrien en plus. Oh, wow. Trois. Bien joué, bien c'est joué. Toi. On passe au pas tourné. Question avec cinq propositions. Vous me direz votre réponse juste après. Laquelle de ces séries n'a pas commencé la diffusion d'une nouvelle saison durant le confinement ? Ozark, Unorthodox, La Casa de Papel, Killing Eve ou Better Call Saul ? Alors, Better Call Saul, je crois que ça a commencé, il y en a eu. Killing Eve, c'est sûr. J'irais Unorthodox. Moi aussi, j'irais ça. Je répète la question quand même. Hein. Laquelle de ces séries n'a pas commencé la diffusion d'une nouvelle saison ? Durant le confinement. Mais si elle a commencé avant, ça va. Alors peut-être. Si elle a commencé avant, c'est la mauvaise réponse, du coup. Oui, du coup. C'est... Ah. Ah, donc Better Call Saul. Moi, je dirais peut-être. Il y en a qu'une qui a pas commencé pendant le confinement. Il y en a qu'une qui n'a pas commencé durant le confinement. Ah, bah, je dirais. Machin. J'ai oublié le nom. Un orthodoxe. Moi, j'irais peut-être Better Call Saul. Alors. Ozark, ça a commencé le 27 mars. Pendant le confinement. C'était sa saison 3. Killing Eve, ça a commencé le 12 avril, sa saison 3, voilà, pendant le confinement. La Casa de Papel, le 7 avril, la partie 4, durant le confinement. Unorthodox, le 26 mars, la saison 1, pendant le confinement. Better Call Saul, ça a commencé le 24 février, la saison 5, donc bien avant le confinement. Et ça a continué jusqu'au confinement. Donc, s'il fait un point en plus pour Adrien, qui passe à 4 heures. Mais attends, mais là, c'est la remontada. Ah, voilà, je... Arrêtez-moi, je suis déchaîné, quoi. Waouh, c'est cristal. On passe au casting 5 étoiles. Je vais vous citer du coup des noms d'acteurs et d'actrices qui font partie d'un même casting. Vous allez me retrouver l'œuvre dans laquelle ils sont. Question à la rapidité. C'est un film d'actualité ou... C'est sorti pendant le confinement. Okay. Film ou série. Natalia Tena, Nick Holt, Emily Swallow, Carl Weathers, Gina Carano, Werner Herzog, Taika Waititi... Pedro Pascal. Ah, c'est... Ton film avec Taika Waititi. Ben, bien sûr, c'est le film Jojo Rabbit. Non. Ah non. Qui est sorti pendant le confinement. Oui. Taika Waititi... Je suis con, quoi. Il a eu une actu pendant le confinement. Bah, pour moi, ouais, pour moi, il en a pas eu. C'était mais... pas une actu pour vous, c'est ça le truc. Bah, Nick Holt, bah, je connais, mais... On va recommencer. Parce que je sens que vous avez loupé un truc. Natalia Tena, Nick Holt, Emily Swallow, Carl Weathers, Gina Carano, Werner Herzog, Taika Waititi, Pedro Pascal. Exactement, c'est aussi Mandalorian, puisque la série est sortie officiellement en France le 7 avril. Ah, mais pour moi, ça date tellement longtemps. Disney Plus, voilà. Ah oui, mais je me suis dit ça, mais c'est pour ça que je disais que c'était pas vraiment une actu pour vous, mais c'est quand même une actu du confinement, puisque Disney Plus la propose depuis le 7 avril. Ah, mais dans ma tête, ouais, c'était pas... Je m'étais dit que c'était avant... C'est quand même fou, c'est des gens qui l'ont découvert sur D8. C8, pardon. C8, oui. Parce qu'il est sorti, le premier épisode est sorti sur C8. Enfin, ils ont commencé il y a quelques semaines sur C8. C'est fou. Et du coup, tu passes à 5, Adrien. Dernière question. Musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette... Quel film ou série, sur dépend en confinement, peut-on entendre cette musique? C'est parti. Zili ? Oui, absolument. Ça c'est le moment où tu l'as dit. J'ai pas regardé. Ok, Zili, effectivement. Donc nouvelle série de. Ça c'est Captain pas. C'est George Smith, ça ? Je ne sais pas. En tout cas, le titre s'appelle Zili. Hein, tout à fait. Donc sorti le 8 mai 2020. Tu passes à 11, Raphaël. Nous arrivons au duel time, donc une question chacun. Si vous gagnez, vous gagnez 5 points. Si vous perdez, vous perdez 5 points. Ah, je peux presque me rattraper. Là. Ah, bah clairement. Ah, bah oui, tu peux, tout à fait. Ouais, si, si je perds et que tu gagnes, ouais. Comme tu es en tête, Raphaël, tu vas choisir ton thème. Il y a deux thèmes. Mm-hmm. Truffaut ou top ? Truffaut ou top ? Après, entre Truffaut. Top. Parmi ces films présents sur les plateformes de streaming, lequel a été le plus regardé depuis le début du confinement ? Je précise que ça, le sondage a pris en compte 4 plateformes, okay. Netflix, ouais. Amazon, Disney+, et Canal+. Ok. 4 films. Tyler Rake, Seven Goku Takimusiche, Le Roi Lion,
ou Code 8, lequel a été le plus regardé depuis le début du confinement? Le Roi Lion. Je note. Adrien, du coup, tu fais la question Truffaut. Allez. Durant le confinement, 12 films de Truffaut sont sortis sur Netflix. Oui. Lequel n'en fait pas partie? Jules et Jim, Tirer sur le pianiste, Les 400 coups ou La Nuit américaine? La Nuit américaine. Je note. Raphaël, nous commençons par toi. Alors... Alors, il y avait 10 films dans ce sondage. Hein, ah, bah, clairement, je me suis dit que c'était ça parce que les gens, pendant le confinement, ont mis leurs enfants devant Disney Plus et devant Le Roi Lion. Je sais pas pourquoi, je me suis dit ça. Ça pourrait être une bonne manière de penser. Ah. Bon, je commence par Code 8, qui n'était pas le premier, hein, clairement, on peut se le dire, puisque je vais vous dire ça tout de suite, bientôt. C'est sur quelle plateforme? Code 8, c'est Netflix, c'est en 6ème position. Ah, quand même, hein. Pas mal. Bon, 6 sur 10, hein. Il y en a 10 en tout dans le sondage. Hein. Voilà. Tyler Hake n'était pas non plus le premier. Puisque Tyler Hake, c'est la 3ème position. C'était aussi sur Netflix. 3ème? Oui. Le Roi Lion n'est pas proposé par Disney+, déjà, mais par Canal+. Puisque je parlais du Roi Lion de... John Favreau. Ah. Ouais, mais il y est, mais sur aux États-Unis. Ah merde, je pense ça en France. Eh ouais. Oui, évidemment. Parce qu'il y a aux États-Unis. Si on pose pas le bouchon, il y a... Bah ouais, mais... Donc, Le Roi Lion. Le Roi Lion n'était qu'en 8ème position sur MyCanal. Les gens s'en foutent, quoi. Et du coup, le premier film le plus regardé, c'est Seven Kogustaki Muzice, le drame turc qui est sorti sur Netflix. Ah oui, avec une affiche complètement violente dans son... Oui, dans son Photoshop. C'est un remake de je ne sais plus quel drame... Ah oui, c'est vrai, mais vu qu'il y avait un... Oui, oui, moi j'ai vu ça, j'ai vu plein de gens sur voilà. Facebook mettre... Et donc c'est de Mehmet Ada Öztekin, et il y a eu 1,658,399 streamers. Ah ouais. Du coup, on retrouve sur le podium après la plateforme en deuxième position, de ouais. Netflix, suivi par Taylor Hake de Netflix, combo gagnant pour Netflix. Et, ouais. Et du coup, dans ce top 10, on retrouve aussi Forte, qui était sur Amazon à la 5ème position, Spencer Confidential chez Netflix aussi en 7ème position, ou encore Vaiana en 9ème position sur Disney+. Je suis désolée. Ah, Vaiana, ah, ok, moi je pense. Tu perds 5 points. Parce que sur Disney, il y avait une exclue genre Tango, je sais pas si vous avez ouais. Vu. Ouais, là, c'est Togo, Togo, ouais. C'est pas du tout dans le top. Ouais, non. C'est marrant. Alors, ça, apparemment, c'est très bien. Parce que moi, ça m'a ramené tout un univers que j'avais oublié quand trop j'étais blanc, petit. Tout ça, non, mais Balto, Chien des Neiges. Voilà. Voilà. Mais moi, j'avais la cassette de Balto. Moi aussi, absolument. Mais du coup, tu passes à 6. Je suis désolée pour toi. Non, mais c'est pas grave. Mais peut-être que tu vas rattraper du coup. Les films de Truffaut sur Netflix. Alors, Jules et Jim, c'est sur Netflix. Oui. Tirer sur le pianiste, c'est sur Netflix. Ah bah j'ai gagné, c'est sûr. Les 400 coups, c'est sur Netflix. Bah oui. Et La Nuit américaine, pas du tout. Mais en plus, je crois que j'avais fait une question là-dessus et du coup, j'aurais dû regarder. Donc tu gagnes 7 points, tu passes à 10. Bah oui, mais je les ai vus sur Netflix. Ah merde, en plus. Et voilà. Mais ça c'est bien, c'est parce que t'es à fond. Magnifique victoire d'Adrien à 10 points contre Raphaël à 6 points. Tu m'as mis dans le vent, voilà. Incroyable. Je suis choqué. Il y a eu un twist final. Non, mais ouais, voilà. Je m'avoue vaincu. Je suis la Athéna du coup. Exact. Non, mais je m'en veux pour Radioactive Vivarium, parce que... t'aurais pu me manger. Mais non, mais parce que j'avais le film, mais pas le titre. Pour moi, c'était Marie Curie, mais... Oui, moi aussi, c'était Marie Curie, mais... Très bien. Bah, merci à vous, en tout cas, pour cette émission post-confinement, mais finalement... À vous de m'avoir chez coup. Nous. Chez nous, finalement. La semaine prochaine, donc, il y aura sûrement une émission thématique sur notre relation à la salle de cinéma, mais peut-être une émission Netflix, qui sait, peut-être on va parler de Truffaut. Je l'ai un peu dans la gorge, hein, vous le sentez ou pas? Donc on se laisse avec un bon morceau comme le veut la tradition. Cette fois-ci, c'est un morceau très estival brésilien de Seu Jorge. Donc le titre c'est le truc c'est que à chaque fois je chante le refrain à fond et quand je le dis, je ne sais pas le dire. Burguesina. Voilà. Donc on se quitte avec ça. Bonne soirée sur Radio Campus Montpellier. Toda chegada, toda bonitinha, toda gatinha, entrando no baile, olha que beleza, rapaziada. Hein? Boa noite, pessoal. Isso, vai chegando, vai chegando.
final de semana na casa de praia, só gastando grana na maior gandaia. Vai pra balada no sapato de estaca com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Faz o ar na pista.